Ravi de travailler à Carrefour. Vous voulez quoi là? Non, coucou tout le monde, comment ça va? Coucou Lily, coucou Rosen, coucou Dreamy, coucou Flavie, coucou Lolo, coucou Lexi, coucou Maïnéris, comment allez-vous? Je sens que ça va me rendre gris votre jeu, hein. J'espère que c'est bien, hein. Je vous préviens, hein. J'espère que c'est bien parce que sinon il va y avoir des sentences. Ok? Coucou Litchi, coucou Astana, coucou Twilight, coucou Nena, coucou Akali, comment allez-vous tout le monde? J'espère que vous allez bien. Voilà, caissière aigrie. Ah, mais franchement, à deux doigts de faire un roleplay de Chantal, 54 ans, qui travaille à Leclerc depuis 20 ans, qui n'a pas du tout envie d'être ici. Je vous le dis, hein. Franchement, je vous le dis, hein. Bonjour la dame aigrie, comment ça va Généris? Coucou Ninou, coucou Trépo, coucou Théo, comment allez-vous tout le monde? Ça va mieux toi? Bah écoutez. J'ai un peu moins cette sensation d'avaler des couteaux, même si je l'ai encore toujours un petit peu. Mais en fait, le plus gros des problèmes, c'est que j'ai la voix qui commence à se casser, je commence à avoir de la toux. Et forcément, de la toux, quand t'es streamer, c'est limite le pire truc qui peut t'arriver. Parce que si jamais je suis amenée à tousser comme jamais lors du stream, bah, je sais très bien que ça va casser les... Ça va faire chier tout le monde, tu vois, finalement. Donc on va dire que la toux, vraiment, il n'y a rien de pire quand t'es streamer. La voix cassée, bah c'est pareil, parce que si j'ai plus de voix, bah on fait plus de stream, hein, obligatoirement, hein, ça va ensemble, hein, finalement. Donc c'est vrai que ça m'angoisse un petit peu, mais j'espère que ça va passer. Je suis là, à chaque fois que je dois tousser, je me retiens, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais plus vous toussez, plus vous allez irriter, et plus vous allez irriter, et plus vous allez tousser. Voilà. Donc du coup, je me retiens énormément de tousser, pour ne pas irriter... Voilà, exactement, pour ne pas irriter la gorge encore plus et ne pas faire traîner le truc en longueur, quoi. Coucou Chloé, coucou Yoni, coucou Alice, comment ça va? Je viens de découvrir qu'il y avait un film Animal Crossing. Je suis si en retard que ça. Non, le film Animal Crossing date un petit peu, mais il n'est pas très connu. Je crois même pas qu'il a été diffusé au cinéma ou quelque chose comme ça en France. Je crois même que d'ailleurs le doublage français a été fait par des fans et c'est même pas un doublage français classique, donc c'est normal en fait. Coucou Camille, comment ça va? Mais t'es malade, madame. Si c'est trop dur, on comprendra et stop le live. Non! Non, en plus, c'est pas du tout une période où je peux prendre une pause. Il y a un film assez... Oui, il y a un film Animal Crossing, je crois qu'il est disponible sur Dailymotion. Je sais pas, tapez sur Internet, film Animal Crossing, doublage français. Il a été doublé par des fans. Alors, c'est doublé par des fans, donc on n'est pas des... Enfin... Ils ont fait comme ils ont pu, hein. Sincèrement, moi, déjà, je les trouve sacrément doués dans leur rôle de doubleur. Parce que c'est pas du tout notre métier finalement en tant que fan d'Animal Crossing. Je les trouve vachement forts. Donc voilà, mais il est disponible sur Internet. Hein. Coucou Elisou, comment ça va? Non, c'est pas du tout une période où je peux prendre des jours, enfin où je peux me reposer entre guillemets. Là, avec tout ce qui va se passer, etc. Financièrement, ça va être giga la galère. Déjà que ça l'est actuellement, c'est absolument pas le moment où je peux prendre quelques jours ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que ça tombe assez mal finalement, que ma voix elle commence à se casser. Mais j'espère que ça va se maintenir. Et puis voilà. Coucou Shayana. Bon, j'espère que votre jeu il est bien là. Non, non, non. On va remettre les pendules à l'heure. Je vois littéralement toute la plateforme de Twitch et de partout qui joue à ce... Fucking Supermarket Simulator. Moi, jusqu'à présent, ça ne me tentait pas du tout. Je ne comprends pas la hype, je ne comprends pas ce qu'il y a autour de ce jeu, mais afin de dormir moins idiote, bah, je vais le tester. Je vais le tester, tu vois. Parce que bon, il faut pas non plus aller se coucher bébête, tu vois. Moi, j'ai 90 heures de jeu. Mais écoutez quand même 13 balles votre jeu, là, hein. 90 heures de jeu sur ce jeu. Oh, coucou Sephorarity. Oh, je suis désolée pour le pseudo. Et coucou Aurore, comment ça va? En vrai, il est bien, mais il est assez répétitif. Moi, j'ai juste regardé quelques streams vite fait, mais j'ai pas voulu me spoiler. Je sais même pas si on peut me spoiler en soi sur le contenu. Mais voilà. Donc, j'ai juste regardé 2-3 personnes à droite à gauche. Je les ai vus, ils étaient avec des cartons, ils couraient, ils mettaient en rayon, ils jetaient le carton à la poubelle. Après, ils allaient à la caisse, ils faisaient des calculs, je sais pas quoi. Enfin bref, je vais découvrir ça et on va voir comment c'est, hein. Il y a des matchs de prévu, ouais. Bah, le seul truc que j'ai appris vis-à-vis du jeu, c'est que la communauté française est apparemment horrible. Apparemment, la communauté française du jeu a été tellement horrible que hier, ils ont repoussé la mise à jour à cause des Français.
parce que vraiment on était, enfin voilà, on était horrible, horrible, hein. Litchis, Litchis qui nous fait un très très beau cadeau avec son sub pour 6 mois d'avance. Merci beaucoup Litchis. Merci énormément pour tout soutien. Surtout en ce moment, on est toujours en quête du 70-30. Je me suis permis de vous le réépingler parce qu'on ne vous l'a pas du tout rappelé depuis le début du mois de mars. Hein. Et mine de rien, bah, tout n'est pas acquis et ça ne veut pas dire que ce mois-ci, on va le dégommer aussi parce qu'on est un petit peu, on est un petit peu plus bas que le mois dernier au même jour. Donc du coup, je me suis repermis de vous l'épingler et puis voilà quoi. Merci Gizu pour le T2 quatrième mois, merci beaucoup. Ça m'impressionnera toujours les personnes qui me font confiance au point de prendre 6 mois d'avance. Je trouve ça juste exceptionnel. C'est genre, ils te font tellement confiance qu'ils prennent 6 mois d'avance. Je trouve ça complètement ouf. Coucou Akan, comment ça va? Le but c'est de faire de la moula, c'est pour ça que je suis étonnée que tu ne l'aies pas encore fait ce jeu. Mais je sais pas du tout comment ça se passe à l'intérieur, on va voir, on est naïf. Non mais moi je vous aime bien, beaucoup même. Coucou ABH, merci beaucoup pour le follow, bienvenue et coucou Martois. Allez go faire la maison de mes rêves sur les Sims 4 tout en te regardant. Les Sims 4, j'ai repris goût là depuis quelques jours à rejouer au jeu. Je sais pas, j'y ai rejoué un petit peu en off. Je sais pas, les Sims 4 d'un seul coup comme ça, ils me sont revenus à la tête et grave envie d'y jouer quoi, c'est trop bien. Ça va le faire, t'inquiète pas. Stream Sims Feed Dreamy. Oh, mais comment t'as tué son pseudo la pauvre. Dreamy aussi, elle a repris un peu goût là au Sims 4. Hein. Bon rétablissement, ça fait environ 7 ans que je te suis sur YouTube. Waouh, 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 waouh. Elle a un goal. Un goal Sims. C'est dommage qu'on puisse pas jouer en multi sur les Sims en vrai. Coucou Rosane, comment vas-tu? Ça fait un an qu'elle le repousse. Alors Dreamy, Lélo, merci pour tes beats. Vous êtes bien trop adorable pour moi aujourd'hui, merci beaucoup. Coucou Aelia, comment ça va? Alors Dreamy, on a des goals et on les fait pas? Bon, j'en ai aussi quelques-uns de retard. Hein. Petit à petit, on les rattrape, les goals qu'on a de retard, mais on est encore... Il en reste quelques-uns. Ils sont tous notés dans un salon sur le Discord. Il y a notamment la soirée années 80, la soirée stream Lego Fortnite avec Nexus, la chanson, le 24h, hein. L'apéro. Bah, l'apéro en plein air, ça va être fait dès qu'il fera beau, dès qu'on aura une petite lueur de lumière extérieure, voyez-vous, finalement. Ah, on a un chat qui va bien pour un lundi, là. Oh, bah alors, coucou Shaima, on est 218 sur le goal. Ah, il s'est mis à jour quand j'ai lancé le stream, parce que quand j'ai regardé tout à l'heure, il était... What the fuck. Ce goal, franchement, je pense que je le comprendrai jamais, en fait. Mais pourquoi tu te changes pas, s'il te plaît? Allô? On a dit c'était 218. Voilà, merci bien. Coucou Regen, comment ça va? Le live Fortnite avec Dreamy. Lego Fortnite? Non, non, pas Fortnite tout court. Hein. Moi, je joue pas à ce genre de jeu-là. Fortnite et tout, trop violent pour moi. trop violent pour moi. Non, vraiment, je suis pas à l'aise du tout. C'est trop violent pour moi. Puis alors, en plus, moi, je suis sanguine. Et j'ai peur et je panique. Et la seule fois où j'ai joué à Fortnite de ma vie, il y a un mec qui a spawn en face de moi. Et je suis pas du tout stratégique, en fait. Moi, le truc, c'est je veux sauver mon fiacos, ok? Je veux me sauver. Donc du coup, je vais voir le mec en face de moi. Là, franchement, je vous décris une scène qui est réelle. C'est une scène que j'ai vécue. J'ai tenté de jouer avec Nexus. J'avais mon flingue, j'avais mes balles. J'ai un mec qui a spawn face à moi. J'ai fait... Voilà. Il est mort. Mais j'ai vidé mon chargeur sur lui. J'ai vidé toutes mes balles sur lui. Je n'avais plus de balles. Mais il est mort. Mais du coup, je suis inutile parce que j'étais pas du tout économe. Et j'ai hurlé dans ma maison. J'ai hurlé en mode... Ah! Esther Duvalet, tu veux pas tester? Écoute. Ah ouais, mais il y a trop de choses. J'allais te dire, Dreamy, écoute, si jamais tu veux bien de moi, parce que je crois que t'as déjà joué, je veux bien faire un stream avec toi pour tester les nouvelles fonctionnalités de Stardew Valley qui vont arriver le 19 mars. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire. Coucou Emily, comment ça va? OMG, prends pas ma place, toi. Mais Stardew Valley, ça se joue à 4, qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Stardew Valley, c'est jusqu'à 4.
Pourquoi tu râles? Pourquoi c'est moi la duo de Dreamy? Non mais oh, t'as vu Chilton qui sort le 22? Ah déjà? Parce que moi quand je l'ai testé il y a 6 mois, il était pas du tout prêt Chilton, non? Genre vraiment, c'est officiel? Chilton, si jamais vous comprenez pas de quoi je parle, c'est un espèce de petit jeu cosy dans l'univers Animal Crossing avec des plantes. En fait, il va y avoir un délire de mixer des plantes entre elles et ça va faire des plantes hybrides et voilà. En gros, c'est ça, Chilltown, dans un univers très Animal Crossing, très cosy. Et quand je l'ai testé, vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube principale. Coucou Luga, comment ça va? Et en fait, il était pas du tout prêt quand je l'ai testé, Chilltown. Vraiment, hein, quand j'ai fait le test il y a 6-8 mois, non. Genre, il était pas du tout prêt. Vous le verrez dans ma vidéo, d'ailleurs, qu'il est pas prêt du tout. Hein. Après, c'est peut-être un Alpha Access ou une Beta ou un truc comme ça. Tiga, comment vas-tu, Tiga? Et coucou Célina, comment allez-vous, tous ceux qui arrivent? J'espère que vous allez bien. Hein, je vais bien. Ah, mais j'ai vu, là, on a un chat qui va drôlement bien pour un lundi. Comment ça se fait? D'habitude, le lundi, là, c'est pas ça, ici. Hein, ça va bien, et toi? Bah, écoute, je vais le redire, mais la voix un peu... voilà. Mais sinon, ouais, ça va bien, quoi. We need you! Get early access. Ah, c'est un early access, c'est ça. Build on March 15. And your big release on March 22. Excited about Chilton. Drop a comment below. We'll review and send out case. J'espère que vous appréciez mon accent anglais. Mais coucou Mariposa, comment ça va? Tu vas découvrir cette drogue où tu as déjà joué. Je n'y ai pas joué, Tiga. Coucou Ryan! Je n'y ai pas du tout joué. Je ne comprends pas la hype autour de ce jeu. Je ne tilte pas. Mais après, je me suis dit, voilà. Il faut tester. Il faut... voilà. Il faut s'y mettre. Hein. Merci beaucoup pour le train de l'hype, tout le monde. Merci, merci pour votre soutien. Perso, je suis accro. Donc, j'ai pas du tout testé. Ça va être mon premier test. Je vais littéralement être Chantal, 54 ans, totalement aigrie à Leclerc. Et puis voilà quoi, finalement. J'avoue, laissez-la gérer son magasin. Ah mais de toute façon, vous aurez... Enfin, vraiment, entre nous, on va parler avec les termes ici. Même si jamais vous me donnez des conseils dans le chat, sachez que je ne les suivrai pas. Je ne les suivrai pas, donc ça ne sert à rien. Ne faites pas ça. Vous me connaissez, si ça fait un moment que vous me suivez sur YouTube et même sur Twitch, vous savez très bien que vous aurez beau me dire A, B, C, D, que je suivrai Z ou Y, hein. Donc, franchement, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous savez très bien que je ne vous écouterai pas. Voilà. Parce que j'ai vu mes modérateurs être en mode « Oui, laissez-la gérer comme elle veut, lui donnez pas de conseils, laissez-la découvrir. » Mais même s'ils me disent quelque chose, j'en aurai rien à faire. Donc, faites votre vie. Je ne vous écouterai pas, de toute façon. Je ne vous écouterai pas. Ils m'ont donné envie de le prendre aussi. J'avoue, ça a l'air addictif et satisfaisant. Mais je connais pas du tout. Tiga, merci pour ta bite et pour ton bite. Hein. Un badge pizza, punaise, j'ai faim. C'est vrai qu'ils sont beaux ces petits badges pizza. Bon, on s'y met ou quoi? On va ouvrir Carouf ou bien? Carouf. Nana, si elle bosse mal, je préviens son supérieur Jeff Bezos. C'est qui ça encore, hein? Alors, attendez. Déjà, est-ce qu'il y a du son au jeu? Est-ce qu'il y a une petite musique d'ambiance ou juste non? Ah bah super! Il y a absolument aucune musique... ok, d'accord. Zéro ambiance. C'est... D'accord. On peut mettre le jeu en français là parce que ça va pas du... Ah, petite musique, hein! Mais attends, mais pourquoi? Mais... Attends, mais pourquoi le jeu il est en français? Il est pas en français là? Je suis pas devenue folle, hein? Je suis pas devenue folle, là, le jeu, il est pas en français, madame, hein. Bon. À ce qui paraîtrait, le jeu est en français. Soit. Le jeu est en français, c'est parti. Ah bah oui, il est en français. Bienvenue sur Super Basket Simulator. Vous commencerez avec un petit magasin et l'agrandirez pour devenir un superbe supermarché. Commencez par acheter des produits à vendre et à placer... À les placer sur les étagères, hein. N'oubliez pas de fixer les prix avec un bénéfice pour éviter la faillite, hein. Oui, bien sûr. Fixer les prix, oui, oui. Moi, je m'y connais bien en fixage de prix, hein. Moi, je m'y connais très, très bien, très, très bien, hein.
Il a été développé par un français, donc bon. Ah, je savais pas. Comment on joue? C'est quoi les touches? Ah, ok. Bonjour. Bonjour. Je peux mourir? Tu peux lâcher mon corps? Lâchez mon corps! Attends, mais c'est GTA le truc! Laissez-moi aller! Ça... Oh mon dieu! Bon courage! Attendez, le magasin est fermé. Mais moi, je pensais pas qu'il allait me pousser comme ça. Attends, ça, c'est mon magasin, ça? Mais c'est nul! C'est quoi ça? Noctaos. Oui? Comment on interagit? Ah, on peut pas interagir avec la manette directement? Avant de commencer à bosser, arriver en vie au travail. Bon, il va falloir qu'on fasse des petits marchés, gestion, banque. Bah c'est bon, on a 750 euros là, on est bien là. Ok. 750 balles, hein. Gestion. Attends, il me faut une licence pour vendre des bouteilles d'eau? Mais c'est quoi cette arnaque, hein? Non, t'as 50. Ah! Ah merde, hein? Ah, c'est la pauvreté! Mais comment ça se fait? Attends, mais comment ça, j'ai 50 balles? La banque, elle m'a annoncé 750. Ah, c'est mon prêt. Hé, hé! Hé, je suis désolée, déjà, on vit pas dans la même réalité. Moi, je viens de contracter un prêt, là, il y a pas longtemps, là. Mon prêt, moi, il est à 4,05, hein. Il n'est pas à 0,01. Il y a un moment donné, il faut doser. Il hein. Y a des privilégiés ici. Hein. Moi, je vous le dis directement. Hein. C'est non, non, non. Part du principe que tu as moins 700. Ok. Attends, donc, la banque, ça, on laisse. Gestion. Facture. Agrandir. Oh attends, mais... Attends, mais c'est quoi le délire, là? Attends, mais moi, je pensais que j'allais être Chantal, la caissière. Là, je me retrouve à gérer tout le patrimoine de Carrefour. Ça va pas du tout. C'est quoi, ça? Des céréales? Des Chocipic? Pardon. Les pieds. Panzati. Pardon. Il faut que je parle au mec qui a codé le jeu, là. Faut que je... Attends, donc là, il faut que j'achète des trucs pour les mettre en vente. Ok? Allez, bon public, bah, je suis désolée, mais oui. Donc, on va se baser sur des produits de base, ok? Des produits que tout le monde a besoin. Donc, c'est-à-dire, tout le monde a besoin dans sa vie de farine. Tout le monde a besoin de pâtes. Non, attends, on va prendre un petit peu de tout. Hop, hop. Tout le monde a besoin d'huile. Et tout le monde a besoin de sucre, produit de base, ok? De toute façon, on n'a plus d'argent. Bon, de toute façon, on n'a plus d'argent, là. Donc, bon, bah... Ah, y a, mince. Vous auriez pas 4 centimes? Vous auriez... Comment ça, il y a 4 euros de livraison? Attends. Mais... Prendre un prêt. Attends, là, ça devient trop technique, là. Vous auriez pas 4 centimes. Merci, Dimitri, pour les 4 centimes. Attends. Il y a des frais de livraison. Bah ouais, ça, je m'en suis rendu compte. Attends. Plus je réduis la durée du prêt et plus j'aurai moins d'intérêt. Ça, c'est normal. Ça, j'ai compris. Sauf que moi, j'ai pas cet argent. Écoute, je vais mettre la durée maximale. Voilà. Merci pour l'argent. Ensuite, nous allons acheter du coup des produits de base. On va racheter... Putain, mais qui consomme des Chocipic? Personne consomme des Chocipic, si? Je sais pas, genre... Bon, vous savez. Voilà, on va déjà faire avec ça. On va voir ce que ça donne. Ok, c'est bon. Quitter.
Quittez. Parle bien des chocs qui piquent. Quittez-moi cet écran. Au secours. Mais laissez-moi partir. Quelle est la touche? À l'aide. Échappe. Ah. Merci. Pourquoi il y a un message? Ah non, c'est pas un message. Attends, c'est quoi? Oh, hé, Amazon, c'est plus ce que c'était, là, hein. Oh. Non, mais c'est ça, rouler sur mes colis, aussi. Attends, mais putain. Mais ils ont déposé tout ça, là. Mais attends, mais... Eh, mais ils ont tout déposé comme ça, tout ça, devant la porte, là. Eh, faut doser. Non, mais attends. Il est quelle heure, là? Ah, il est 8h du matin. Putain, faudrait se dépêcher un peu, hein. Attends. Comment je prends? Comme ça. Oh merde. Oh, rendez le sucre. Attends. En fait, on peut pas jouer totalement à la manette à ce jeu-ci. Ouais. Poser. D'accord. Et j'en fais quoi du carton maintenant? Jette la boîte vide dans la poubelle. Ah. Joue au clavier, en vrai, ce sera peut-être mieux. Tu crois? Attends. Je vais débrancher la manette pour pas qu'il la détecte. Hein. Sinon, en effet, j'ai l'impression qu'il la détecte et que ça va pas. Ah ouais, en effet, c'est peut-être mieux. Tu seras plus simple, ce clavier souris. Ouais, du coup, j'ai débranché la manette. Ensuite, encore du sugar. Ah non, c'est pas du sucre, ça, c'est de la farine. Bah, je mets la farine à côté de la farine, non? Je sais pas. Tiens. Voilà. Tiens. Ensuite, ça, c'est quoi? Ça, c'est panzati, ça. Les pâtes, attends. Ah! Putain, non, j'ai fait n'importe quoi! Waouh, 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 waouh! Monsieur! Oh, il avait l'air aigri, lui! Ok, vas-y, encore panzati. On met panzati ici. Voilà. Businessman, lui. Hein. Et lui, ça se voit, il a de l'argent pour faire des courses chez moi. Il faut qu'il vienne ici. Le sucre! Bof. C'est pas bon pour la santé, vous allez vous casser le dos pour l'attraper. Voilà, allez, susu. Ça vous fera faire un petit peu de sport pour l'éliminer, c'est parfait. Ensuite, ah bah pareil, la même chose finalement. Un petit peu de sport pour l'éliminer. Un petit squat pour descendre en bas du rayon, là. Hop. Ensuite, le pain de nuit, même pas complet le pain de mie, hein. Même pas complet, hein. Hop. Ah, c'est long, oh, hey. Ça, je me mange tous les murs en plus. Hop, de l'huile. Hop, on met ça ici. Coucou, ça roule, comment ça va? Coucou, Lovely Genie aussi. Voilà. Ok, c'est bon, tout est prêt. Je suis prête, là. Ils sont où, les clients? L'huile, les pieds. Ah, oh, vraiment. C'est qui, lui? Ah, c'est chez moi, ça? Stockage. Oh, attendez. Pas mal de trucs ici. Bon, fixe le prix des produits. Ah. Prix du marché, 4 balles le... Ouais, attends, quoi? 4 euros le produit de farine? 4 euros le paquet de farine? Et ça, c'est les prix du marché? Mais ça va pas? Mais 10 euros. Mais personne va acheter mes paquets de farine à 10 balles. La vie est chère. C'est l'inflation. Putain. Franchement, celui qui achète mon paquet de farine à 10 balles... Eh ben... Le sucre. Ah, c'est pas bon pour la santé, hein. C'est pas bon pour la santé. 50. Non, je rigole. Attends.
Je sais pas moi, 3,99 le sucre. Ouais, allez, vas-y. Non mais en plus, vous avez raison, il faut pas faire des prix ronds comme ça. Voilà, c'est psychologique. Tu passes pas la barre des 10 €, c'est très important. Coucou Nanou, ça, le prix du marché, c'est 3 € et quelques. Paquet de pâtes, c'est 7,99 €. L'huile. Ah, l'huile, c'est cher, hein. Ah, ouais, hein. Vas-y. Ah, l'huile, ça coûte, hein, monsieur, hein. Et le pain de mie. Le pain de mie, c'est pas un produit essentiel, hein. Allez, vas-y. Là, c'est pas mal, ça. Les pâtes me font gagner au loto. Ça va, 7,99 € un paquet de pâtes. Eh, c'est dépenné, hein. C'est dépenné, quand même, hein. Eh. Quand même, hein. Ouvert. Ah, toi, je savais que t'étais quelqu'un de bien, toi. Vas-y, prends de l'huile, hein. Comment ça, c'est trop cher? Comment? Mais monsieur? Mais reviens! Oui, bah ça va, j'ai peut-être potentiellement un peu forcé, c'est pas grave. Attends, je sais pas, moi, 8,50 €? Allez, madame, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Mais c'est des grognasses? Mais c'est que des grognasses dans ce patelin. Toi, t'as une tête à avoir de l'argent, toi. Ah, voilà, voilà, allez. Ah. Attends, j'arrive pas. Susu. Ah, merci, take my money. Ok, j'avais pas compris. Ah, il faut... Attends, il faut calculer. Attends, c'est pas bon? Attends, j'ai pas... Attends, c'est quoi? Donnez un. Bah voilà, c'est bon. 1,01. Mais ferme! Mais donne-lui l'argent! Ah. Ok. Ah, voilà, quelqu'un de bien. Voilà, paye par carte de crédit. Ok. je peux sortir d'ici? Je ne veux plus être à la caisse. Voilà. Ils ont dit ça c'est trop cher. 5,50 €. Ça. 5,99 €. Et... Allez, c'est un produit essentiel, je te fais une petite promo. Putain, mais ils achètent tous que du sucre ici. Oh là là, mais alors, j'ai la bougeotte, hein. Putain, mais il m'a dit que mon huile était trop chère. Ah, il a acheté les pâtes. C'est combien les pâtes? Ah, c'est 4,89 €. Ouais. Attends. Les pâtes, ils ont acheté. Le sucre, ils ont acheté. L'huile, ils m'ont dit que c'était encore trop cher. Oh. Tu dois légèrement être au-dessus du marché. Pas 20 € en plus. Bah, il n'y a pas 20 € en plus. Ça va. Boule, allô, merci madame beaucoup pour ton sel. Allô, madame la caissière aigrie de Leclerc. Ah, elle a dit que c'était trop cher pour elle. Elle a pas dit que c'était trop cher tout court, hein. Oh non, il faut compter. Oh non. Putain, mais elle me donne 50. Mais elle a payé avec un billet de 100 $ pour un paquet de sucre. Nico, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup. Oh là là. Putain, mais qui fait ça dans la réalité?
Un centime. C'est bon. T'as une calculette, je crois. Putain, mais attends, mais ils vont vite, oh, hey. J'ai même pas le temps de changer les prix de je sais pas quoi, là. Je crois qu'il y a toujours la farine qui est trop chère. Attends. Mais elle est pas chère, ma farine. Non, mais oh, au bout d'un moment, ça y est. Allez, venez! Vente de sucre! Et après, elle dit c'est trop cher, elle se fout pas de la gueule du monde. Bah non, c'est pas cher. Franchement, je crois que ce jeu n'est pas pour moi. Ah, regardez-le, lui. Lui, il a une gueule à s'appeler Eudes. Ah, t'as vu, lui, il dit que c'est trop cher pour lui, mais ça veut pas dire qu'il va pas... Regarde, elle va acheter, elle. Waouh, 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 madame! Autant de sucre pour une seule personne, hein? Mais pourquoi? Oh là là. Tiens. Madame, pourquoi? On va viser la clientèle aisée? Non, même pas, mais... Attends, je vais peut-être baisser un petit peu mes pattes, hein? Bah, d'un côté, il y a quelqu'un qui en a acheté, hein? Allez, 4,59€. Il faut quand même avoir un petit bénéfice, hein? Donc, voilà, je suis désolée. Oula, 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 alors là, c'est des jumeaux, là. Eh, hey, je viens de la baisser, comment ça? Elle est trop chère pour toi? Hop, hop. Je les aime bien, moi, ceux qui payent en carte, hein? Oh, je suis vraiment la pire caissière du monde, je suis tellement lente, hein? Eh bah ça se bouscule pas, hein. Y a pas foule, hein. Fluff, le prix du marché, c'est pas ton prix d'achat, hein. Hein? Quoi? Ah! Attends! Mais j'ai payé l'huile 1,50€, je la revends 6 balles! Oh putain! Ah ouais! Ah mais moi je pensais que le prix là, c'était mon prix de que moi j'avais payé! Ah donc là je me fais 5€ de marge sur un paquet... Sur un paquet d'huile, hein! Ah bah c'est... Mais c'est l'inflation, c'est comme ça, c'est la vie! Ah 45$ lui... C'est l'inflation! Pourquoi c'est 10 fois plus drôle avec toi ce jeu? Non mais c'est l'inflation, c'est pas grave. C'est normal. 3,99€. Et c'est tout en fait? Mais là c'est la fin de la journée quasiment là. Ah bah là tu es rentable. Ah là! Faudrait que je baisse un peu les prix quand même. Hein. Il faut toucher la clientèle qui n'a pas beaucoup. Eh, comment ça baisser mes prix? 4,99€ le paquet de farine? Je l'ai payé 79 centimes. Et alors? Et alors? Allez, c'est les promos, c'est Black Friday! C'est parti! La farine moins chère que les pâtes. On aura tout vu dans ce monde. Le sucre. Eh, quand même, l'huile, elle est sacrément chère, hein? Attends. C'est pas abusé non plus. Et du coup, les clients, là? Regarde, on va faire soirée nocturne. La lumière. Comment ça, la lumière? Attends, j'ai des clients. Mais le problème, c'est que je les vois pas très bien dans le noir. Hein. Allumer les lumières à l'aide de l'interrupteur. Hein. Ah. Ah bah oui, ça paraît tellement logique maintenant qu'on me le dit. Hop là! Par contre, vous vous nourrissez pas beaucoup quand même, hein? C'est vraiment des petites courses d'appoint, hein? Ça va, t'es moins aigri que ta daronne en vrai. Je te déteste. Coucou Cipion, coucou Pandum, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Vous pensez que si je fais nocturne,
Potentiellement, je touche la clientèle qui va aller en boîte. Hein. Oh, et comment ça, c'est trop cher, madame? Et du coup, tu te rabats sur les pâtes? De toute façon, tu comptais faire quoi avec de l'huile et tes pâtes? Tu t'es pris pour la Ruby Family, là, ou quoi? Faut se calmer, hein? Rendu, monnaie, donné zéro. Bah, va-t'en, madame! Non, mais elle allait nous faire le frire des pâtes dans l'huile, hein? Ça suffit! T'as juste besoin d'eau, madame, hein, pour la faire cuire, hein, c'est tout! Hop! Oh là là! 15. 41. Mais... Hein? Mais j'ai donné le bon compte? Oula, il m'a fait bugger, lui. J'espère qu'il a rien de prévu. Attends, mais j'avais pas tilté. Et si je rends trop de monnaie? T'as donné un 1 au lieu d'un 10. Ah. Si jamais je rends trop de monnaie, ça se passe comment? Tu perds de l'expérience. Ah. Allez! Les clients! Et il se passe quoi quand j'ai plus rien à vendre? Non, parce que là, on va pas aller loin. Hein. Le temps avance plus. J'ai mis sur pause. Ah, il faut terminer la journée. Oula, 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 oula. Comment ça, profit total, moins 17 euros? Attends, quoi? Quoi? Attends, quoi? Mais j'ai vendu des trucs 4 fois leur prix et je suis pas rentable? Je comprends pas. T'inquiète, c'est le début. Produit trop cher, 20. Oui, bah, ça va. Du jamais vu, comment ça? Non. Vous recevez des factures quotidiennes à partir d'aujourd'hui. Assurez-vous de payer les factures. Ah! Bon, ça va. Putain, 80 balles le caissier par jour, et ils se mettent bien hein, dans ce truc-là. Hein. Attends, il me faut une licence de 400 balles pour vendre une bouteille d'eau, là? Ah non, bouteille d'eau, fromage, café, œuf, hein. Lait et thé noir, hein. Ok, d'accord. Moi, je l'ai acheté sur Steam, le jeu. Et tu sais quoi? On va ouvrir le magasin. Voilà, il est open. En fait, si tes produits sont trop chers, tu vends pas, donc tu recouvres pas ton prix d'achat. Mais c'est pas de ma faute si les clients, ils viennent et ils disent que c'est trop cher. Non mais oh! On va lui envoyer la DGCCRF, elle va voir les prix qui vont augmenter. Ils vont arriver, ils vont faire « Allez, on baisse tout ça, là !» Il faut que tu restes environ 1 dollar au-dessus du prix du marché. Lanette, coucou, merci beaucoup pour ton sub. Mais comment ça, mes produits sont trop chers? Mais reviens là! Attendez, mais je suis perdue! Ok, ma farine, par contre, mon sucre, il le kiffe, hein. Mais baisse tes prix, mais 2 minutes! Il y a des clients! Je suis overbookée là! Ils sont où les employés? Hop! Ça, je peux l'augmenter du coup, hein?
Attends. Les pattes, je crois, j'ai retouché, non? Ah non. 4,20€. Ok, c'est bon. Attendez. Elle va faire quoi, elle, avec son pain de mie, là? 9,98€, madame. Bonjour, Jean-Marc. Putain. Mais pourquoi les gens, dans ce jeu, ils payent en monnaie? Qui fait ça aujourd'hui? Personne. Qui paye en monnaie? Merci pour ton follow. Fluffy, la gestion, tu sens, c'est pas son truc. Hein. Ah non. Non mais oh, elle va faire un burn-out. Mais attends, et c'est quand la pause? Putain, mais ça s'arrête jamais, votre connerie. Ok, vas-y, il a voulu m'arnaquer, lui. Pitié, fais-toi des prix ronds pour pas autant galérer avec la monnaie. J'avoue. Madame. Putain, mais elle aussi. Attends, je vais retoucher les prix. Coucou Wapika, joyeux anniversaire. 5,50. 4,60€. Coucou Dracalis. 4,20€, c'est ok. Mais attends, mais comment ça, mon sucre, il est aussi pas cher? Mais tu m'étonnes, pourquoi ils venaient tous acheter le sucre chez moi? Mais regarde ça! Oh là là, mais pourquoi le prix, il est aussi... Il est bancal, là, comme ça. Ah, ok, c'est bon. Toi aussi sur ce jeu, ça y est, je teste. Le prix varie tous les jours comme dans la vraie vie. Non. C'est vrai? Non. Attends, lui il m'a dévalisé mon pain de mie là. Ok. T'es en immersion. Non mais attends. Ah mais oui, ça a changé. T'as une alerte en début de chaque journée en te disant quel prix du marché ont changé. C'est pas tous les articles. Je comprends pas, je suis perdue. J'ai bientôt plus de pâtes en plus. Je suis censée faire comment? Il y a des clients qui arrivent. Je fais la mise en rayon, je fais la caisse. Je fais les commandes. Il n'y a pas de pause, il n'y a jamais de pause. On peut même pas picoler. Mais c'est l'enfer, votre jeu, là. Voilà, elle paye en carte bancaire. C'est quelqu'un de bien dans la vie. Oh, j'ai fait quoi? Ah si, c'est bon, j'ai réussi, là. C'est donc comme ça que tu t'organises, IRL? Alors, IRL, il n'y a pas d'organisation, en fait. C'est ça qu'on vous a pas dit. C'est on fait un peu comme on peut, tu vois. Va pas taf chez Picard. Oh là là. 5€. Non mais qui paye un paquet de farine Attends. Il faut qu'on recommande. On n'a plus de pâtes. On a pas de chocapic. On a... Voilà, on va racheter tout ça. Bam. Acheter. Putain, faut que je fasse quoi maintenant? Y a pas de clients là. Hein. Ok, si, ils arrivent. Ah mais du coup, il faut que je range aussi. Ah bah voilà, un livreur qui a fait un effort. C'est comment qu'on pose un arrêt maladie, les gars? Il faut que j'allume la lumière aussi. Ah mais... En fait, ça, c'est pour se former à devenir caissière. C'est ça qu'on vous a pas dit, hein. Il faut que j'achète une licence. Acheter, gestion.
C'est pas comme si j'avais trop le choix finalement. Hop. Oula, 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 il y a beaucoup de choses d'un seul coup là. Attends, je crois qu'il y a un client qui m'attend. Oh là là. Eh, lui, il a fait des grosses courses là, hein. Faut que je rentre 79. Okay. Wesh, mais il y a une de cette queue. Mais attends, mais je suis overbookée. Mais ça va pas, mesdames. Putain. Je veux plus jouer à ça, moi. Allez, on enchaîne. Je veux plus jouer à ça. Je vais faire un burn-out. Comment ça, les œufs doivent être placés sur fridge? C'est quoi, fridge? Tiens, mets les œufs ici. Du lait. Mais comment ça, le lait aussi? Mais putain. Un frigo. Ah bah oui, fridge. Ah bah oui. C'est bon, ça, il faut pas fridge. Narvalo. 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 Pardon. Attends, on va mettre le sucre ici, là. Ouais, Susu, elle est ici, là. Les heures sup qu'elle fait. Ah, j'avoue, putain, j'avais pas vu qu'il était l'heure de s'en aller. Non, mais attends, il y a Chocipic, là. C'est quoi, ça, farine? Elle arrive quand, la mage? J'en sais pas, je sais pas, je joue depuis aujourd'hui. Je sais pas. Ils l'ont retardé parce que les Français avaient été trop insupportables. C'est la seule chose que je sais. Donc du coup, ils avaient plus envie de faire la mage. Ça, on va poser genre là. T'as acheté un frigo? Non, j'ai pas acheté un frigo, sinon ça va passer de date. C'est bon, l'eau, il faut pas mettre dans un frigo. Putain, mais vas-y, mais... Comment j'achète un frigo? Des pâtes. Oh là là, je me prends la porte et tout. Oh, le bordel dans son magasin. Oh, je ne te permets pas. Mon magasin n'est pas du tout un bordel. Non mais ça y est aussi. Ça critique, hein, mais... Tu es capable de faire mieux? Normalement, le lait... Non plus, c'est dans ambiant. Attends. C'est quoi ça? C'est du thé? Ok. Hop. Ah, mais ça, c'est du fromage. Ça, c'est sûr et certain. Ça va au frais, ça. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah forcément. En plus, j'ai eu une mauvaise expérience avec le fromage, là, récemment. Hop. Hein. Dans mon drive, j'avais mis de la raclette, quoi. Fromage à raclette, bref, tu connais finalement. On peut pas mettre sur pause parce que là, je me sens un peu paniquée. Enfin, voilà. Et en fait, comment dire? Le packaging, en fait, il était gonflé, tu vois. Mais j'ai dit à Nexus, vas-y, ok, peut-être que... Enfin, peut-être que ça change pas qu'il est bien à l'intérieur, tu vois. En général, quand vous achetez un aliment qui a un paquet gonflé, ça pue, tu vois. Voilà. Mais je lui dis, vas-y, on sait jamais, peut-être que... it's okay. Donc, on ouvre le fromage, et là, une odeur nauséabonde, moisie, tout mou, genre en train de se décomposer, mais quelle horreur, finalement. J'ai fait une réclamation, bah du coup, vu que c'est arrivé dans le drive, ils m'ont refusé le remboursement. Comment vous dire que samedi, je vais aller faire mes courses? Moi, je vais leur dire, tu vas voir si tu vas pas me donner mon remboursement de mon fromage à raclette à 6 euros. Non mais oh.
Et puis quoi encore, hein? Ah oui, fourniture! Un petit frigo ou un grand frigo? Ouais, ils nous ont refusé notre remboursement. On était un peu en mode... bon. Putain, c'est fermé! Mais ils bossent jamais! Mais moi et mes aliments, ils vont passer de date, hein! Bah voilà! Mais c'est de pire en pire. Mais faut que j'arrête le jeu là, faut que j'arrête la simulation de Carrefour, hein. Mais ça va pas. Mais attends, mais je vais fermer boutique là, ça va pas du tout. Mais vlac, maintenant j'ai des factures. Oh, ça va, 1 euro. Hop. Frigo. Oh non, 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 pas deux frigos! J'ai failli me retrouver avec deux frigos. Oh, ça, c'est un gros carton aux femmes fortes qui portent le frigo! Allez! Pourquoi il est pas droit, le frigo? Mais pitié! Oh, puis vous savez quoi, j'en ai littéralement rien à faire au bout d'un moment. Voilà. Voilà. Hop. C'est marqué tourner, mais j'ai pas réussi à le tourner. Prendre. Tourner. Mais... Ah ! J'ai réussi. Attends. Attends, mais il est trop petit, mon frigo, là. Mais pourquoi vous m'avez rien dit? Parce que tu découvres. Mais je vais perdre de l'argent à cause de vous! Il est open, là. Toujours notre faute, bah oui. Regardez les œufs et le fromage là. Ça va finir comme mon fromage à raclette, il va gondoler. Ah, mais j'ai pas fixé les prix de Narvalo. Mais putain. Oh, je suis overbookée. Ça va pas, monsieur, ça va pas. New September. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Coucou Fluff. Merci beaucoup pour le resub, merci beaucoup pour ton soutien. Merci, merci infiniment à vous tous. Mais comment il a pu acheter Narvalo si j'ai pas fixé le prix? Mais arrêtez d'acheter! Mais allez-vous-en! Mais comment ça a pris 6,99 alors que... Mais... Putain, mais... Arrêtez, il y a trop de monde. Mais je me suis fait douiller, là. Mais ils m'ont complètement douillée. Bah oui, ils ont pris tous les trucs qui étaient pas chers, bah bien sûr. €3,30 la bouteille de lait, on est où ici, même, hein? Oh, monsieur! Faut dormir la nuit, hein? Ça va pas, hein? Attends. Il n'y a pas moyen de s'occuper de tout ça avant d'ouvrir la boutique? Bah, je pense que si. C'est juste que... Je suis mal organisée, je sais pas.
Hop. Monsieur. Oh, 36 balles de monnaie. Hop. Je me demande si tu pourrais pas les taxer un peu plus quand ils payent en carte, hein. Tu crois? Attends. On arrondit. Merde. Ça va, madame, j'ai arrondi. Oh. C'est pour le service. Putain, il se laisse même pas arnaquer, hein. C'est fou, ça, quand même, hein. On peut même plus arnaquer les gens tranquillement. 9,20€. La bouteille d'eau est trop chère. Bah, au revoir. Tu crois qu'il y a une vitesse de jeu, Vilpa? Je sais pas, en vrai. Achetez une nouvelle section à l'aide de votre ordinateur pour agrandir votre magasin. Agrandir? Agrandir quoi? Je suis déjà en PLS, là. Ça va pas du tout. On va rien agrandir du tout. Moi, je te le dis direct, hein. On va rien agrandir du tout. Hop. Ah non, ça marche pas, on est obligé de taper. Hop. Ah, Wow. Ok. Achète un deuxième frigo, madame. Ah lui, ça se voit, il est venu chercher ses chocs à pic du matin, là. Il s'est dit qu'il en avait plus. Je crois que tu peux avoir une réserve pour mettre tes produits. Attends. Il y a trop de clients là, je peux pas me permettre de parler. Je m'occupe de mes clients, excusez-moi. Les maths, je ne vois pas de quoi tu parles. Tiens, sur les étalages. Non, je... Attends, Nani, Nani. On met le chat à vendre aussi. Il y a personne qui achète mes bouteilles d'eau. Bah, elles sont pas chères, hein. Coucou Letty. Le comté fromage est trop cher pour moi. Non mais ça va, abuse pas aussi. Hop. Il y en a, ils achètent du thé, là il est à 6,50€, hein. Coucou Hop, comment ça va? Bah le jeu, en fait c'est ça le jeu. Genre juste j'encaisse Michel et Grégoire qui passent à la caisse pendant 5 heures. C'est un délire quand même, hein. Genre c'est ça le jeu qui fait folie sur les réseaux. Moi ça m'angoisse. Hop, allumez la lumière. Allez, ils sont là en train de critiquer mes prix, hein. Ah, elle, c'est pas trop cher, le fromage, hein, visiblement. 8,60€ de fromage, elle, ça la dérange pas, hein. Waouh, waouh, waouh. Attends, mais il a fait des gigacourses, lui. Essaie d'avoir un ou deux produits d'appel, hein. Un produit d'appel? C'est quoi, un produit d'appel? Attends, attends, quoi? Il faut que je fasse quoi maintenant? Il faut que j'achète une nouvelle section. Agrandir. Ouais, mais non. J'ai pas très envie d'agrandir le magasin. Non, parce que là, c'est déjà... Mais, hey, mais ils ont acheté tout, mais comment ça s'appelle, là? Attends, mais il y a un truc qui s'est trop vendu à mon goût, là. Ça va pas du tout. Ils ont acheté tous les narvalos. Oh là 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 là. Bah recommande. Narvalo. Eh mais ça coûte cher narvalo, hein.
Putain, mais ils sont fermés! Ok. 13, 50. Oh, ça me fatigue votre affaire. Oh, j'ai l'impression de vraiment, de véritablement travailler là. Ça va pas, hein? Un produit qui va te faire venir du monde même si tu vends pas ça, des peanuts, genre jeu vidéo à Carrefour à 50 euros day one. Ah, je suis pas sûre que le jeu il fonctionne comme ça. Hein. En plus, j'ai acheté de l'eau, personne n'a acheté de l'eau. Les gens ne consomment pas d'eau, on est en Amérique. Ils préfèrent le soda là. Ça se voit, c'est sûr et certain. C'est quoi le problème avec l'eau? On va mettre l'eau à 3 euros? Ouais, je vais faire la dé... Je l'ai pas téléchargé d'ailleurs, la démo de Princess Peach, enfin Showtime, je sais pas quoi, là. Ah. Cette Switch n'a plus de batterie. Nous allons tenter avec notre deuxième option. C'est-à-dire celle-ci. Hop. Merci Simon pour le follow. Mais Simon... Hein? Oui, il y a une démo à Princess Peach. What the fuck? Comment ça j'ai été unfollow? Tu sais que t'es pas la première personne à me le dire que t'as été unfollow. Hop. Mais attends, mais ma nourriture, elle va pourrir là. Hein. Ça se garde combien de temps ici, enfin, au non frais? Coucou Clarinette. Mais t'es pas la première personne à m'avoir dit que t'avais été unfollow. Hein. Vous avez même été plusieurs, hein. Avis, ça ne se mérime pas, ça ne se périme pas, rien ne pourrit. Ah bah voilà. Oh, oh, on est dans le vert aujourd'hui. Petite musique quand même, petite musique. Il n'y a pas de musique. Petite musique. Il n'y a pas de musique. Mais non, mais vas-y, celle-là, c'est la musique en entière. Je suis dans le vert, les gars, je suis dans le positif. Ah mince, ma Switch est déconnectée à Internet vu qu'on a changé la box. J'avais complètement oublié ce détail. Puis là, je peux pas, là, je suis overbookée, là, c'est pas possible, hein. Attends, j'ai 500 balles. J'ai plus Narvalo. Attends. Eh, Narvalo, ça se vendait vachement bien quand même, hein. On achète Narvalo. Il y a beaucoup de Narvalo quand même, là. Hein. Un petit lot d'huile, un petit lot de pâte. Allez, c'est parti. Voilà. Hop, on va ranger tout ça. Ah, mais ils ont rien acheté en fait en pâte. Hein. Tu veux pas acheter une gondole aussi? Pourquoi faire? Attendez, j'ai pas vu le message de comme quoi il y avait des produits qui avaient augmenté ou baissé. Hop. Hein. De l'huile. Eh, l'huile, ils ont consommé quand même. Hein. Je vous le dis, on est en Amérique ici. Il fait un peu pitié ce magasin, non? Oh! Tu veux un ban? Comment ça, mon magasin, il fait pitié? Tu t'es pris pour qui, Clarinette? Non, mais ça va, oui! Non, madame, non! Non, mais hé! Hey, comment ça, mon magasin, il fait pitié? Ah, ça rentre pas. Coucou, Samy, comment vas-tu? Bah c'est bon là, on peut ouvrir, non? Je sais pas. Ouais, on peut ouvrir, hein. Allez. Hop. Dis-nous où il est, qu'on ne vienne pas. Coucou Jess. Pour les produits qui ont changé de prix, tu peux le voir sur l'ordinateur. Ah. Comment je vois ça? Bon, moi, je sais pas.
Ok, là on est toujours un peu au-dessus du marché. Là on est bien. Là on est ok. Là on est ok. Avec des flèches vertes. Attends quoi? Putain, je vois pas. Coucou Small, vous faites les drives? Non. Oh putain, mais je voulais picoler. Tout ça pour Micheline qui a oublié chez Chocapic. J'en ai marre. Je vais faire un burn-out. Ça suffit. Coucou Clali, comment ça va? Je trouve pas sur le PC les augmentations, les variations de prix, les... J'ai pas. Il est cassé le PC. Là là. Attends, elle a pris de l'eau, la grognasse. Ok. Ah, des chocs-à-pic et de l'eau quand même, hein. 9, 90. Ok. Ah. Elle a besoin de picoler. Du lait, de l'eau. Oula, 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 oula. Coucou Kamelsa, comment ça va? Elle va mettre ses chocs-à-pic dans l'eau, ça te pose un problème, hein? Putain, j'ai pas trouvé où est-ce que c'était vos trucs de flèches là. S'il n'y a pas les flèches, c'est qu'il n'y a pas de changement. Mais j'étais bien dans le bon onglet, dans le bon onglet ou pas du tout? Oh, 27,10 € pour 4 articles hein, quand même, hein? Et après, on se plaint de l'inflation, hein? Du coup, l'eau, c'est avant ou après les céréales? C'est avant, bien évidemment. Qui met son lait ou son eau en fonction des gens? Qui met ça après? Non, tout le monde met avant. 23,40 € monsieur. Allez, au revoir. En ce moment, j'ai envie d'acheter le jeu Planet Zoo. Franchement, ouais, trop bien, hein. Planet Zoo, je te conseille, hein. Il est vraiment trop trop cool comme jeu. Tout le monde met le lait après. Mais comment ça, vous mettez le lait après? Tout le monde le met après. Mais jamais? Mais vous êtes bourré, hein? Oula! On a oublié la virgule! Après aussi. Après. Mais non. Coucou mademoiselle. Le lait, c'est avant. Le lait, c'est avant. Hop. Donc là, attends. Non, mais ça veut dire que... Attends, ça veut dire que là, la dinguerie que vous faites dans votre vie... C'est genre, tu mets tes céréales et après tu fais couler tout ton lait par-dessus? Mais non! Mais c'est, ça va pas, hein? Bah oui! Mais non, tu mets ton lait et après tu mets tes céréales au-dessus et il flotte, hein? Bah si! Bah non! Bah quoi? Je sens qu'on est dans un débat là. Mais après, du coup, tes céréales, ils sont tout mous, ceux qui sont en dessous. C'est non. Mais justement, il faut les arroser, tes céréales. Mais non, après, ils sont mous. Fluffy nous troll, c'est pas possible. Ah non, je vous troll pas, hein. Fluffy, tu me déçois. Essia, merci pour le follow. Et alors, c'est délicieux. Les céréales tout mous, c'est délicieux. Mais vous êtes pas bien, hein. Mais ça va pas, hein. Attendez, je m'occupe de mes clients, là. Putain, 90 balles. Ok. Franchement, je suis désolée, mais merci d'être la première streameuse influenceuse qui est de la team des céréales après. Ah, parce que tout le monde est voilà. Les céréales, c'est avant le lait. Non, c'est après. Non, tu mets ton lait, tu mets tes céréales par-dessus, t'en mets un petit peu, tu tapisses, comme ça, ils flottent, hein. Après, tu manges. Comme ça, ils sont pas mous. Et après, tu re... Comment ça? Tu bois un peu de lait. Tu vois? Comme ça, tes céréales, ils sont jamais mous.
Je rigole même pas avec vous. Non, 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 non. Je fais ça, bonne, j'en ai trop entendu. Ah, vous êtes team céréal mou. Et comment tu doses la quantité de lait, madame? Bah, je mets la moitié du bol. Ça me suffit. Mais t'as archi pas de céréales, comme ça, c'est nul. Mais tu te resserres! T'as des mains, des pieds, tu remets dans le bol, hein? T'as des mains, des pieds. Oh là là! Oh, je sens que là, on est en train de... Mais quoi? Ah, ils sont en train de dévaliser le magasin! Attends, les gars, y'a plus rien dans le magasin, là! Attends, y'a un problème! T'as plus de farine! Quel est l'intérêt de mettre du lait si tu veux pas les céréales mous? Bah, je veux des céréales... Enfin, je veux du lait pour boire, mais je veux pas que ce soit mou! Ah, mais donne-lui son argent! Putain, on peut même pas faire une pause! Attends, 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 attends. Bah, mets-le dans le verre, hein, ton lait. Bah, non. Hop. Là, je pense que c'est bien. Oh, mais... On peut faire une pause. Ok, c'est bon. Oh, les gars, par contre, je me suis fait dévaliser, en fait. Attendez, mais je me suis fait dévaliser. J'ai plus de farine, j'ai plus de pain de mie, j'ai plus rien, là. Un sondage. Est-ce qu'on a un modérateur de présent? Non, mais s'il vous plaît, la team qui met les céréales après le lait, manifestez-vous, soutenez-moi, je sais pas, faites quelque chose. Donnez vos arguments, aidez-moi. Mais comment tu fais chauffer le lait en plus pour les céréales? Mais moi je fais pas chauffer le lait, déjà le lait froid c'est tout. Qui met du lait chaud dans ses céréales? C'est lait froid en fait. Lait chaud, mais ça n'existe pas. Et ceux qui mettent pas de lait? C'est lait froid avec les céréales. Qui chauffe le lait? C'est non. Comment ça chauffer le lait? Ah ça non par contre, lait chaud, non, 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 non. Mais qui fait ça? D'abord mon chocolat chaud et après je mets les céréales. Ah bah à la limite, ouais, chocolat chaud avec le lait. Enfin, mais pas lait chaud tout seul, hein. Non. Attends, 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 il y a plus de farine. Chut. Silence, la salle. Il y a plus de farine, hein. Oh putain, je me souviens plus de ce qu'il y a plus. Oh, j'ai une mémoire, hein. La farine, c'est un peu chaud. Farine, pain de mie. Pain de mie. Farine. Y'a plus de choc qui pique. Je crois qu'il y a plus de narvalo encore, hein. Ok, c'est parti. Putain, mais... Oh, je suis encore en bénéfice aujourd'hui, hein. 2 jours d'affilée, hein. Eh, attends, hein. Le Claire Woman, bon après-midi. Bisous, Vilpa. Après, personnellement, je n'aime pas le lait. Je mange mes céréales toute seule. Ouais, aussi. Pourquoi pas? Ça, j'approuve. Évidemment que les céréales se mettent après le lait. Bah oui. Non, mais on a des gens bien quand même dans le chat. Et puis, il y a les autres, quoi. Il y a ceux qui mettent le lait avant. Enfin, après. C'est non. On a des gens bien. Puis, on a les autres, hein. Je suis à l'aise financièrement. Attends. Ils sont où mes courses? Attends, mais je les ai pas commandées mes courses et j'ai ouvert le magasin. Oh putain! Au secours! Capande, j'en peux plus. Je pense que je suis au bord du burn-out. Oh putain! Ah! Monsieur! Il faut être multifonction! Narvalo! Ah.
Putain, j'ai loupé la poubelle. Oui, madame, vous allez attendre, pardon. Excusez-moi. J'arrive. Excusez-moi. Mais pourquoi t'as ouvert? Mais j'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Est-ce que si je suis trop lente à arriver à la caisse, ils peuvent s'en aller? Ou pas du tout? Ouais, mais j'en ai commandé combien des trucs, là? Les pâtes, c'est trop cher. Eh bah, tu vas ailleurs, hein? Oh! Putain, mais range la bouteille! Enfin... Oublie pas de mettre des prix. Mais il y avait des prix, là. Non? Ça reprend mes prix de base, non? Oh, attends, je suis overbookée. C'est bon. Ouais, ça reprend mes prix de base, on est d'accord. Eh, c'est chaud hein, d'être un petit commerçant. Small business, c'est pas pour moi. Hein. Ok. Bonjour Gertrand. Merci. 23,60 €. Ouh. On va ranger. Les chocs qui piquent. On n'a plus de place. Il faut que je regarde en même temps s'il y a eu une augmentation de prix. Est-ce que tu peux me rassurer ? Nexus, lui, il met le lait... Il met le lait après. Oh, le vendu. Oh, le vendu. N'oublie pas tes factures. Il n'y a pas de facture. Ici, on est pauvre. Oh, mais il n'y a pas de place. Oh là là, oh là là, oh là là. Puis entre ceux qui te donnent 18 balles pour payer un paquet de pâtes aussi, hein. Attends, mais Nexus, ôte-moi d'un doute, t'es là ou pas? Tu mets le lait avant ou après les céréales? Mais Fluffy organise ses rayons, c'est mal rangé là. Comment ça, ils sont mal rangés mes rayons? C'est organisé? Regarde, l'huile est à côté de la farine pour faire de la farine frite. T'as l'huile à côté des pâtes, pareil, pour faire des pâtes frites. T'as le sucre à côté des choquipiques pour rajouter un petit peu de texture. Hein. Non, franchement, c'est bien. Hein. Hop. Oh là 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 là. Ludo. Bonjour Chantal de Leclerc, 54 ans aigri. Ludo, merci beaucoup pour ton T3. Tu veux de l'eau, Ludo? 6 €, les deux bouteilles d'eau. Capanz, merci beaucoup pour ton sub. Merci énormément. Il y a beaucoup d'amour aujourd'hui quand même. Hein. C'est Chantal. Ça vous a... C'est Chantal, en fait. Chantal, 54 ans, vous avez envie qu'elle évolue et qu'elle agrandisse sa supérette, en fait. C'est ça. C'est ça. Vous voulez que Chantal, 54 ans, elle ait encore une plus grande supérette, hein? Chantal Légris, 54 ans, coucou Mel, comment ça va? Chantal a du potentiel. Et les cartons par terre, oui, bah ça va, je suis femme de ménage, je suis caissière, je suis maîtresse de rayon, attends! On peut pas tout gérer. Chaque chose en son temps. Et là, je vais m'occuper des donzelles qui vont venir payer leurs courses à ma caisse. Regarde, voilà. Elle va se faire un café au lait, elle. Hein. Hop. Elle paye comptant. Ça se voit, c'est quelqu'un de bien dans la vie. Hop. 5 €. Allez. Oh là 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 là. Oh. Hop. Elle veut payer par carte, elle aussi. Je n'ai pas trouvé de bio-œuf. Hein. Bah, attends. Putain, mais il n'y a pas de place aussi dans ces rayons!
Oh là là. Attends. Attends, faut que j'allume la lumière. Hop. 28,30€. Hop. 1, 2, 3, 40€. Hop. Toi, tu veux rien du tout. Ok, c'est bon. Elle se plaint toujours. Bah oui. Minimum. Hop. Attendez, il y a encore un carton dehors. Ah, c'est du pain de mie. Mais j'ai plus de place, en fait. Oh, mais c'est compliqué, ce jeu. Hein. Voilà. Non, achète pas mes œufs. Attends. J'ai pas fixé le prix. Oh là là. Je suis overbookée. J'arrive, mais j'ai même pas le temps de vous lire. C'est quoi ce stream? Mais c'est un délire. C'est bon, 9h? C'est bon, ça suffit là. I am close. Oh putain. C'est la pause là. Ça va, vous? Eh non, mais attendez. Faut se calmer au bout d'un moment. Hein. Attends, je fais une pause là parce que je me sens... je me sens pas bien. En même temps, je vais télécharger Peach Showtime. Je sais même plus comment il s'appelle, le jeu, là. C'est quoi notre nouvelle box? Ah, c'est ça. Hop, hein. Oula, je me suis trompée dans le mot de passe. Voilà. Au pire, embauche un caissier. Mais ça va me coûter combien, ça, encore, hein? C'est pas qu'on ait des rats ici, mais c'est presque ça, hein. Ouh. Attends, quand tu vas avoir plus de licences, ça sera sportif. Mais c'est déjà sportif, là. Waouh. Attendez, je télécharge Peach Showtime. Il se trouve dans quoi? Il se trouve dans les démos. C'est rien là. Là j'ai combien? J'ai 600 balles. Hein. J'ai quand même encore pas mal de stock. Hein. Je fais quoi? Il y a quoi là? Je peux agrandir. Oh là là, les factures. Oh là 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 là. Il n'y avait pas un délire comme quoi aussi j'avais un prêt à la banque. Augmente les prix. Non mais attends. Non. On a des licences. On a des licences pour vendre du beurre de cacahuète. Du jus d'orange, du soda. Ah, le soda, ça c'est sûr, ça se vend cher, non? Princess Peach, il est là. Procéder à la précommande. Non. Télécharger la version démonstration. Voilà. C'est plutôt ça que nous, on voulait faire. Hein. Voilà. Je vais mettre 3 boules la brique de lait. Attends, mais tu peux pas faire ça. Regarde, déjà là. Marché. J'essaye de voir si on voit les variations de prix comme ce que vous m'avez dit. Vous les voyez où, les variations de prix? Sur les étiquettes, hein. Ouais, je sais pas. Bon, tu sais quoi? Ok, je suis toujours en positif. Hein. Ah, c'est là que c'est marqué. L'huile a baissé et le narval au café a augmenté. Allez, 11,80€ le café.
Par contre, j'y perds hein, sur lui, là. Hein. Voilà. Venez, venez. Ah, c'est fermé, pardon. Venez acheter. Tu devrais peut-être acheter des frigos ou des gondoles avant d'acheter des licences. Attends, mais si j'achète des gondoles ou des frigos, ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de produits, donc encore plus de trucs à passer à la caisse, hein. Je suis pas sûre d'avoir le courage, hein. Ça fait beaucoup de choses à gérer, quand même, hein. Regarde, la dame, elle avait faim. 4,20€. Oups. Renini. Oui, mais du coup, t'auras plus d'argent aussi. Bah ouais mais... Oh, tu te rends compte, une boîte d'œufs et des chocs à pic 11,70€. Hein. Mais je vais être répertoriée dans les trucs d'arnaque, moi c'est sûr et certain. Hein. J'ai la DGCCRF qui va venir toquer à ma porte, c'est pas possible. Hein. Non mais vous êtes conscient de ça quand même. Hein. C'est l'inflation. Attends, mais ils vont venir toquer à ma porte, ils vont me faire un procès, c'est pas possible, hein. C'est quoi ça ici? C'est de la farine. Y a pas de place pour la farine. Ah, t'es trop cher pour moi. Oh, hé hey. T'as un costard cravate qui provient de je sais pas qui, là. Le mec, il est habillé en Lacoste, il essaie de me faire croire que mon paquet de pâtes, il est trop cher. Calmez-toi aussi, hein. Monsieur, c'est des pâtes de qualité. C'est des pâtes de qualité, c'est des pâtes complètes, minimum. Minimum complet. Ah, il manquait de l'argent, je crois. Ok. Ah mais... Par contre, il consomme beaucoup de pâtes quand même dans cette ville. Hein. Hop. 23,70€, monsieur. Ah, pardon. Je serai pas caissière, moi, plus tard, c'est sûr et certain. T'es la personne que je cherchais, une personne qui est dans les débuts du jeu. Bonjour, c'est moi. Je galère comme un rat mort. Merci pour ton follow. T'as commencé aussi, c'est pour ça? Regarde comme elle regarde mal, elle. Tu veux un coup de boule? Eh, fais gaffe parce que sinon tes œufs je te les donne pas, hein, je te les casse sur la tête, hein. Ouais, Micheline, là. Monsieur, mais vous êtes beau vêtu de blanc comme ça. Comment ça le lait est trop cher, hein? Je vous fais des compliments en vous disant que vous êtes beau et vous, vous me dites que mon lait il est trop cher, hein. Et t'achètes du sucre à 5€? On n'a pas tous les mêmes priorités, hein. Ah, ils se font du rentre dedans, eux. J'ai plus de pâtes. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils consomment tous des pâtes aussi dans ce... Dans ce patelin, là. Hop. Hop. 27,30€. Hop. Ensuite, bam. 47,10€, il s'est fait plaisir, lui, hein. Ah, madame, je crois que vous avez oublié les ingrédients. Là, vous avez oublié la farine si vous comptiez faire des crêpes, hein. Hop. Oula, je suis pas très douée en calcul, moi, quand même, hein. Non, mais... S'il vous plaît, je peux aller faire un peu de mise en rayon. Et je suis overbookée. Ah, mettez le pain de mie. Cours. Prends les pâtes. J'arrive, 2 secondes.
dans les pattes. Putain, mais je vis comme si c'était mon magasin, tu sais. Attends. Hop. Ouais, la carte bleue, monsieur. Allez, c'est parti, on y va. Au revoir. Bonjour, Bichette. Comment ça va aujourd'hui? Pain de mie. Y'a pas de place. Putain, mais ils achètent jamais de l'eau. Ils consomment pas d'eau dans ce magasin. Ok, c'est bon. Tu peux sprinter. Mais non. C'est une blague. Mais oui. Par contre, la touche, elle est pas du tout accessible, quoi. Merci beaucoup pour ton follow, Choupi. Waouh, monsieur, vous avez fait un restock là-haut. Allez. 20 centimes. Bam. Même moi, je savais pas pour le sprint. Bah, le problème, c'est que la touche, elle est pas du tout accessible, quoi. Oh, merde, je lui ai rendu trop de monnaie. Voilà. Coucou, Jenny, comment ça va? On peut mettre la lumière, s'il vous plaît? On peut faire pause pendant une seconde? Voilà. Je galère quand même, hein. J'ai l'impression de passer... Oh, tu vas faire tes ongles, Célina? Tu vas faire quoi? Tu fais des trucs avec des capsules ou pas du tout? Comment ça, c'est pas bon? Ah bah oui. Ne m'embauchez pas si vous êtes manager Carrefour, Leclerc, Superu. Peu importe, ne m'embauchez pas. Vous risquerez d'avoir des trous de caisse à la fin de la journée qui vont faire environ 250 balles. Hein. Vous allez avoir peur, moi je vous le dis tout de suite. Hein. Coucou Lou. Louk Louka. Hey, il consomme pas d'eau. Hein. L'eau, ça se vend pas. Faut pas que j'en rachète. Semi-permanent. Ah. En vrai, ça aurait été génial si on se trompait et que ça faisait des trous de caisse comme dans les vrais magasins. Bah, en soi, j'aurais pu me tromper hein, si j'avais rendu l'argent. Enfin, genre, tu vois, par exemple, on va essayer. On va dire que là, je me suis trompée, ok? Je lui donne, voilà. J'ai perdu, hein. Je me suis trompée, tu vois. J'ai perdu en espèce de réparation, enfin de réputation. Avec les mages, il va y avoir des voleurs et tout. Des voleurs. Oh, je vais me faire braquer dans mon magasin, moi, ça va pas aller, hein. Eh, 920 euros. Attendez, mais déjà, faut qu'on recommande des trucs, là, ça va pas. Il nous faut de la farine. De la farine x2. Il nous faut narvalo x1. Il nous faut du lait. Attends, tu retiens ou pas? Farine, hein. Narvalo. Il nous faut du lait. Il nous faut quoi d'autre, hein? Il nous faut Chocipic. Il nous faut de l'huile. De l'huile. Des chocs qui piquent. Je sais pas quoi prendre en vrai. Fromage, je crois, j'en ai plus. En vrai, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Putain, oui, c'est vrai, ça. Et en fourniture, il faudrait que je prenne... une étagère, hein. Ah, je suis au max, hein. Frigo, j'en ai déjà un. Attends, parce que ça veut dire que c'est dans les licences, genre.
Oh putain, je comprends rien. Je peux pas acheter de... Oh, je peux embaucher. Ah non, je peux pas. C'est que 10 articles par commande. Ah, d'accord. Ok. C'était peut-être ça, du coup, le truc. Oh là là, mais oh. Eh, Chantal, hein. Eh, Chantal, là, elle commence à être bien, hein. Hop là. Petite fourniture aussi. Allez, hop là. On va se reprendre des produits, des Chokipic, des œufs, du lait, du machin. On va se reprendre du narvalo, la farine, du pain de mie, des pâtes. Let's go, c'est la fête. Chantal, elle se met bien là. Oh là 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 là. Oh. Mais faites attention quand même. Hop. Attends. C'est le bordel un peu dans le magasin là. Hein. Non, madame, ne vous mettez pas à la caisse. On va pousser la caisse un peu, genre par là. Faire un peu plus de place aux clients quand même. Hein. Oh là là. Ouais, je crois que le jeu, il est que sur PC. Mais bon, ça, c'est typiquement le genre de jeu qu'il pourrait mettre sur Nintendo Switch. Hein. Si ça, ça passe pas sur Nintendo Switch, je pense qu'il y a rien du tout qui passe. Hein. Après, est-ce qu'ils ont envie? Je sais pas. Et Mad Gondole, je vais mettre ça... Attends, mais si je mets les produits trop près de l'entrée, comme ça, là, ils vont me voler. Ah, mais je peux même pas, en fait. Voilà. On range l'eau. Ah, on peut pas ranger l'eau. Eh ben, c'est pas grave, hein. Ici. On met Narvalo. Est-ce que vous avez vu des produits qui ont baissé ou augmenté de prix? J'ai pas fait attention quand je me suis co. Mets dans ton nouveau frigo, madame. Attends, j'arrive. Ah, je me suis trompée. Ah non, je peux pas les reprendre. Ah si. Ah. Le sucre a augmenté. Attends, on va essayer d'être un minimum organisé quand même. Hop. Twinny Games, merci beaucoup pour ton raid. Vous étiez sur quoi ? Merci. Le sucre a augmenté. Il est où le sucre? Il n'y a plus de sucre en fait. Hein. Oh là là. Hop. Voilà. Ah mais j'avais pas vu que le temps il augmente pas le matin. Ah mais c'est bon, on n'est pas pressé pour déballer les cartons. Moi j'étais là en train de me stresser et tout. Mais en fait on a le temps. Gisèle la caissière voulait voir comment tu t'en sortais. Toi, c'est Gisèle. Bienvenue, Chantal, 54 ans. Chantal Legris. L-E-G-R-I-S. Hein. Voilà. Nous nous en sortons... Alors... Bien, je pense, non? Le chat, vous pensez que je m'en sors comment? On va mettre le lait avec le fromage. Vous trouvez que je m'en sors comment? En toute honnêteté, dites-moi. Merci Stéphane pour le follow, bienvenue. Bien, ah ça va alors. Ah, il y en a trop. Hop. Coucou Chachou, mais oui, ils m'agacent avec leur billet de 100 pour un fromage. Ah, on est d'accord, hein. Ils m'ont fait la même chose. Ils m'ont sorti un billet de 100 balles pour payer un paquet à 1,50€, hein. Faut doser aussi, qui fait ça dans la vie réelle? Déjà, on va rétablir les comptes.
Dans la vie réelle, qui a un billet de 100 balles déjà pour commencer? Non, vraiment. Vrai sondage. C'est un sondage véridique. Qui a un billet de 100 balles là sur lui? Genre, qui peut ouvrir un porte-monnaie et sortir un billet de 100 balles? Putain, mais j'en ai acheté pour combien de régiments la farine là? Moi, je paye tout par... comment ça s'appelle, hein? Je paye tout par... par carte, déjà, j'ai jamais de monnaie sur moi. J'ai jamais de bouteille, enfin, j'ai que ma carte, tu vois. J'ai rien d'autre. Ah, ça m'est déjà arrivé, en tant que caissière, d'avoir 3 euros sur 100 euros. Il devait sortir de la banque, lui, ça se voit, hein? Ah, il n'y a plus de place dans les frigos! Et voilà. Hop. Le café avec la farine. Tu as un problème contre mon organisation? John, tu veux qu'on discute? Non, parce que tu m'as l'air vachement énervé quand même aujourd'hui, là. Je te trouve un peu tendu. Ainsi discutant. Je te trouve sacrément tendu. Garde Narvalo là encore. Hein. Hop. J'avoue que je crois que j'ai jamais eu de billet de 100 balles dans mes mains. J'ai pas assez d'argent. J'ai pas assez d'argent. Ah, on peut encore ranger des œufs là. Hop. Attendez, mais quand... On peut pas en mettre plus? Non. Dommage. Hop. Et ça, c'est encore Narvalo. Allez, mets Narvalo là-haut, là. Hop. Attendez, je crois qu'il me reste de la place au niveau des étendages. Étant d'eau. Bon, il me reste de la place. J'ai piqué. On a mis les chocs qui piquent ici. Ça, c'est du frais. Du frais. Frais, frais, frais. Et de la farine. Ok, c'est bon. On est OP. Waouh, il y a trop de trucs dans mon magasin là. Regardez. Regardez comment je suis devenue une superette de luxe. Franchement, franchement, jugez, jugez mon magasin là. Est-ce que je suis pas devenue une superette de luxe, hein? Moi, je pense que oui, minimum. Minimum, quoi. Le magasin, c'est 90% de farine. C'est farine et café. Il y a beaucoup. Franchement, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait avec la farine pour avoir autant de farine? Pourquoi j'ai autant de farine? C'est le bazar surtout. J'avoue. Il a dit quoi sur mes œufs, lui? Le lait est trop cher, hein. Eh ben, tu mangeras des chocs à pic sans lait. Au moins, il n'y aura pas de débat sur avant ou après. Oh. Tu nous feras, tu nous embêteras pas avec le lait si c'est avant ou après les, les céréales. Je crois que les prix ont descendu. Pour la farine et le café. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est toujours OK. Je crois qu'on est toujours OK, hein. Au niveau d'à peu près tout, hein. Qu'elle aille traire une vache, ce sera moins cher. Hop. Tiens. Ah, elle vient tous les jours dans mon magasin, par contre, madame. Faites des courses un peu plus importantes, parce que dis donc, hein. Toi, c'est la première fois que je te vois, non? Tiens, 11,50€. Look le PC. Mais c'est marqué où sur le PC? Attends. Je comprends pas.
Je vois pas les flèches sur le PT, sur le PC. Hop. Look, le sucre, il y a une flèche verte. Le sucre? Ah oui, il a augmenté. Attends. Oh là là, mais messieurs. Ok. 20,70€. Attendez, je vais regarder ça après. Coucou Louis. Par contre, la caissière doit aller faire pipi. On est un peu embêté là. Ok. Le sucre, il est où le sucre? Mais il n'y a pas de sucre. Ah! Mais en fait, j'ai oublié le sucre, hein! En fait, je me suis fait... J'ai acheté de la farine en pensant acheter du sucre. C'est ça qui s'est passé. Ah merde! On a oublié le susu! Oh, faut vraiment que j'aille faire pipi, par contre. Monsieur? Attends... Monsieur, ça va pas aller. Il y a un problème, là. La caissière doit aller pisser. Ça va vraiment poser problème. Mes pauses, comment on met pause? 2,90€. Go sucrer les yaourts avec de la farine. Échappe. Oh, oh oui. J'arrive. Les copains! Attendez, attendez, attendez! Eh, c'est sérieux cette affaire! Mais en fait, vas-y, ça rend. C'est fluffy! Ça rend accro cette merde! Hein. Maintenant, je veux voir mon magasin évoluer! Je veux devenir. Je veux devenir Super U Extra! C'est de votre faute, ça, encore, hein. Il est où, le sucre? Hop. Oh là là, ça y est, ils viennent me voir, là, encore. Bonjour, madame. Du fromage, des choquipiques. Ça fera 15,50€. De l'eau, 6 balles. Oui, bon, écoute, c'est normal, hein, bien sûr. C'est un prix... Fluff Market. Ah, j'avoue, j'ai pas donné de nom à mon magasin, c'est normal. Y a pas de nom. Oh, et si je faisais la caissière relou à rendre la monnaie en pièces de 1 centime? Ça déconne pas Oh, la clientèle, je crois qu'ils vont me détester là.
heureusement que c'était 4,60€ et pas 95 balles, hein. Oh, arrête, non mais c'est horrible, hein. Il va faire tout noir en plus. Et tu sais quoi, pour ta patience, eh ben je t'offre rien de plus. Allez, dégage. Hop. 18,20€. Bonjour. Ah, du coup, il me paye tous avec la carte bancaire. Franchement, je comprends pas. Mais la lumière, non. Bah attends, il y a un petit peu de temps, enfin, de gens qui attendent à la caisse là. Il y a du monde là. Et au pire, ils font leurs courses dans le noir, hein. Inflation, EDF, c'est pas donné, hein. Non mais oh. Oh putain. Hop là. Je fais des économies sur la lumière, ça vous pose un problème, hein. 47,90€. Bonjour, bienvenue. Des chocs à pic. Ça fera 6,90€ par carte. D'accord. Hein. Bonne découverte sur ce jeu. Merci beaucoup Sunny pour ton sub. Merci énormément. Merci beaucoup Sunny. Je sais pas combien de points on est. Mais on est plutôt pas mal. 45,80€. C'est bon, je peux allumer la lumière? Voilà. Ah mais la journée est finie. Ah bah oui. Oui bah on n'a pas eu le temps d'allumer la lumière. Je... Voilà. C'est des choses qui arrivent, hein. On n'a pas eu le temps. Attends, il n'y a pas de place pour le sucre. Attends, mais il n'y a pas de place, hein. Est-ce que quelqu'un a acheté des œufs? Vas-y, on va mettre des œufs ici. Hop. Ça, c'est encore du sucre. De l'eau. Allez, de l'eau. Hop. Hein. Hop, on vend ça. Est-ce que je peux faire un peu de la place sur mes étangs? Attends. Genre comme ça. Et je... Allez. Un petit peu de manutention. Voilà. Coucou Kozu, comment ça va? Merci Gwen pour le follow. Un petit peu de manutention, on met le sucre ici. Le susu. Voilà. Comme ça, on a libéré de la place. Hein. Est-ce qu'on peut mettre le susu par-dessus le susu? Oh. Eh, vous savez pas empiler, hein. Quand il faut faire la place, il faut faire la place, hein. Oh. Parfois dans la vie on fait pas comme on veut. Et par contre ça consomme en termes de choc à pic, hein, dans ce magasin, hein. Et les pâtes et les choc à pic hey. Pâtes choc à pic été. Pâtes choc à pic, hein. Été, okay. Et ça consomme, hein. Consomme sec ici, hein. Allez hop. Sucre, j'en ai déjà. Oh, oh, c'était une mauvaise journée, hein. Oh, c'était une mauvaise journée. Oh, la journée fut mauvaise. Perso, je viendrai pas dans ton magasin. Pardon? Je te demande pardon? Comment ça, tu viendrais pas dans mon magasin? Non, mais oh! Oh les factures que je me tape, hein. Oh, et mon prêt à la banque, hein. Mmh. Mais je peux pas faire un remboursement anticipé là? Hein? Attends quoi? Attends, je comprends pas. Il y a un truc avec le prêt, là, que je comprends pas. Attends. J'ai remboursé 550 balles?
sur 750. Attends, j'ai emprunté 750 €. J'ai remboursé 550. Donc théoriquement, il me reste 200 € à rembourser. Pourquoi il me dit qu'il me reste 675 ? Et je croyais les intérêts, ils étaient à 0,01% là. Les intérêts ? Bah attends, mais les intérêts, ils étaient nommés, ils étaient notés 0,01. On est où ici ? Je comprends pas. Je comprends pas, je sais pas. Bon. On va faire venir la clientèle parce que là, il nous faut la moula. Oh merde, j'ai pas reçu ma livraison. Oh là là. Attends. Vite. Vite. Putain, puis lui, il est pas capable d'empiler 3 boîtes. Hein. Ça y est aussi, il faut doser. Choc épique. Je suis pas là! Je suis pas là! Putain, prends les pattes! Eh, vous allez attendre un peu, hein, il est 9h20 du matin, vous êtes pas pressé, hein. Ça y est, hein. Les 550, tu peux les rembourser d'un coup si jamais. Ce sera peut-être plus pratique, hein. Ah, y'a plus de place! Bonjour! Bonjour, bienvenue! Du sucre et du thé? D'accord, hein. Hop. Ah, lui, il se déplace à 9h du matin juste pour acheter deux bouteilles d'eau. Tu veux pas ouvrir ton robinet? Je sais pas. Hop. 40,20 €. Non, mais sérieux? Qui se déplace à 9h du matin pour acheter deux bouteilles d'eau? Ouvre le robinet, je sais pas. Prends l'eau à la source, monsieur. Enfin. C'est un peu compliqué les vidéos avec Nexus parce que compliqué, tu vois. Mais on n'exclut pas le fait d'en faire de temps en temps. 2,40 €. Alors t'aimes bien? Alors je dirais pas que j'aime bien, je dirais que c'est addictif. Après ça dépend. Là je trouve que entre nous, je trouve qu'il manque des trucs. Genre, je pense que quand il y aura les mises à jour, en effet, avec les voleurs, etc., etc., ce sera sympathique, tu vois. Mais je trouve que quand même, il manque des trucs. C'est quand la mise à jour? C'est quand la mise à jour? 1, 2, 3. 20. Vous avez une date pour la mise à jour ou pas? On sait pas, vu qu'elle a été repoussée. Fluffy qui vit ma vie de vendeuse. Mais au moins, il y a un truc qui est bien, tu vois, dans ce jeu. C'est que les clients, ils ferment leur gueule. Ils sont pas chiants. Les clients, ils se plaignent pas, tu vois. Non, mais c'est vrai. Y'a pas besoin de parler avec eux. Y'a pas besoin de parler avec eux. Tu vois, ils font des remarques comme quoi c'est trop cher, mais ils se le disent dans leur tête. Ils viennent pas à la caisse comme les bons Français que nous sommes, en mode oh là là, vous êtes cher, moi j'ai été là-bas, c'était moins cher. Ils disent rien, tu vois. Donc, bah mine de rien, c'est quand même sympa, tu vois. Attends, il me veut combien? Il veut rien. Tu vas l'appeler comment ton magasin? Mais il n'y a pas de nom. Je sais pas. Tu vois, ils le disent que c'est trop cher, mais ils viennent pas te le dire à toi, tu vois. Il compte aller où avec son pain de mie, lui, sans rien? Oh là là, puis il achète du pain de mie avec 50 $. Hein. Hop. Le jeu, je l'ai payé 13 €. C'est où? Ah, c'est là.
Non mais par contre, il me dévalise mes œufs quoi, c'est un truc de ouf hein. Ah lui, il consomme du café, lui ça se voit, lui c'est qu'italien en fait. Il est venu, il m'a donné 3 paquets de pâtes de machin là, ça y est, il faut doser aussi. Hop là. Salut, je peux avoir 1 kg de patates avec du fromage et des chocs qui piquent, hein. J'ai que 1$ par contre. Tu vas là-bas, c'est pas mon problème hein. Ici c'est 45$, ok. Putain, regardez-les en train de faire la caisse là. Hop. Hop. Putain, il arrive. Eh, le thé ça part vite hein. Ah attends, mais j'ai plus d'œufs, je crois. Putain, mais ils sont sans arrêt en train de venir. Eh, ça consomme du susu par contre hein. Hop. Bon, c'est pas grave. Franchement, je sais pas où est-ce qu'elle veut aller avec ses 2 paquets de farine, elle, mais d'accord hein. Mais attends, mais moi j'ai même pas de patates, madame. Comment ça, toi, t'as des patates? Moi, j'ai pas encore de produits frais, hein. Ici, on est pauvre, hein. On n'a pas tout ça, madame, hein. Regarde, ici, ils se nourrissent à base de choc à pic, de pâtes, de thé. Et c'est tout. Lumière, hein. Ça va, 2 secondes. Oh, pardon. J'ai pas encaissé. Voilà. Eh, le sucre, il consomme. Et il y a un problème avec mon prix de sucre, je sais pas. Ah bah oui. Voilà, voilà pourquoi ils viennent tous acheter mon sucre. Elle en a pris 3 paquets, bah tu m'étonnes, hein. Elle a vu les promos moins 70%, elle s'est dit, vas-y, c'est maintenant. Hop, hein. Mais oh. Les gens, ils ont pas le droit de venir acheter un truc qui leur manque sans se faire engueuler. Non. Je me suis fait beaucoup d'argent aujourd'hui, non? Vous avez pas cette impression? Oh là là. Arnaqueuse, tu mets plus cher. J'ai pas mis plus cher. J'ai mis un prix qui m'offre un certain bénéfice, hein. C'est différent. Non mais oh. En plus ils vont râler. Chocapic, c'est bon, nanana. Eh, le café ça... Eh. Ah mais il y a encore des clients, c'est pas fermé là? Eh monsieur, tu es le client qui vient à 8h59 alors que ça ferme à 9h? Eh, il est 9h! Regardez-les, ces retardataires de dernière minute! Tant que tu fermes pas le rideau, il se ramène à la dernière minute, hein. Non mais oh! Vous êtes Nexus, vous, je reconnais! Nexus qui débarque à 19h59 quand ça ferme à 20h, hein. Hop, hein. Ah ouais, l'ambiance de fou! Non mais... Lokinawa, me fais pas croire que toi, t'es pas aigri comme ça. Loki, me fais pas croire, hein. Arrête. Lokinawa, assis-toi, maintenant. Ne me fais pas croire, hein. Non, pas à moi. Moi, j'ai des caissiers. Ah, pardon, excuse-nous, pardon, pardon, pardon. Il nous faut du pain de mie, des pâtes. Pain de mie, pâtes, huile. Pain de mie, pâte, huile. Pâte, huile, pain de mie, œuf, hein. De l'eau, du lait, du café. Et on peut pas acheter. Je ne parle pas avec les gens en dessus. Je suis chef d'entreprise. Pardon, excuse-nous, l'Okinawa, pardon, excuse-moi, pardon, tu vois, moi je fais des journées avec un bénéfice de 500 balles quand même,
Après, est-ce que toi, tu en fais autant? Je sais pas. Je t'excuse. Ah là là. Excuse-nous, hein. Coucou Anaïs, hein. Hop. Et on range les pattes. Moi, mes journées, c'est 1200 heures minimum. Ah ouais, que ça? Bah, franchement, je trouve que tu pourrais faire un effort, hein. Parce que moi, mes journées, bah, c'est le double, hein. Donc bon, ça se dit auto-entrepreneur, mais par contre, derrière, ça suit pas, quoi, hein. Je suis un peu déçue, hein. Hop. Voilà. Hop. On va mettre de l'huile ici aussi. T'es bourré ou quoi? Comment ça, 1200 heures, hein? Mais t'as dit quoi? T'es bourré? Quoi? Attends, t'as dit quoi? Mais c'est toi qui m'as dit ça? Oh, le quiproquo! 1200 balles à brûler. Ah! Oups! 1200 balles la journée! Putain, il y en a, ils sont privilégiés ici, eh oh! Putain, mais pourquoi j'ai acheté de l'eau comme ça? À foison même, hein! Ils consomment pas de l'eau dans ce patelin! Ils consomment que du coca! Du lait! Buvez du lait! Hot milk! Milk! Hop! C'est quoi ça? Ça, c'est narvalo, ça encore, hein? Est-ce que vous avez vu une fluctuation de prix, comme dirait mon prof d'SES, hein? Je n'ai pas fait attention à si potentiellement il y avait une fluctuation de prix. Je vais aller dans mon petit ordinateur et voir les évolutions. Le thé noir a baissé. Les œufs ont augmenté. D'accord. Hein. Le thé noir, il est ici. Nous allons le passer à 5,50. Et les œufs, nous allons les passer à... Elle est où ma souris, bordel de flûte, hein? Elle est là. Les œufs, nous allons les passer à 5,40€. Je pense que c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, open. Hein. Comment ça, pas open, hein? Après, on va agrandir. On va agrandir. Nous, on n'est pas petits caissiers, nous. Nous, on va ouvrir Super U. Et puis après, on ira voir le Kinawa. On tapera à sa porte et on lui dira « Hey, t'as vu, nous, on a un magasin et pas toi. » Coucou, Quincess, comment ça va? On ira la voir et on lui dira « Eh ouais, tu veux te fight? Tu veux voir mon magasin? Mon magasin, il est meilleur que le tien. Tu vas voir, hein ?» On aura des employés, bien sûr. Hein. Tu seras même ma caissière professionnelle, Clarinette. Bien sûr. Je suis niveau 26, j'ai des congélateurs. Hein. On est vraiment en train de se battre pour des congélateurs, là. Regarde! Moi, il y a Michel. Hein. Michel qui vient acheter son dernier jeu vidéo. Il a pris mon dernier fromage. J'ai plus de fromage. Michel, attends. Le fromage. Oui, j'arrive. Oh, par contre, en vérité, il y a quelqu'un qui m'appelle à la caisse, genre comme ça, avec un espèce de dingue. Oh, comment j'aurais envie de lui faire bouffer son café? Comment ça, tu m'appelles avec un dingue? Je suis qui, moi? Je suis Sortitel, hein? Calme-toi. On m'appelle pas avec ça. Oh, hé. Hey. Ok, fromage. Hop. Hein. Mais pourquoi j'en ai acheté deux? Mais j'en voulais pas deux. Bon, c'est pas grave. Hop. Bonjour madame, 2 paquets de farine, 2 paquets de sucre. Oh, je vais devenir aigrie contre les gens qui payent avec un billet de 100 balles, hein. Okay. Ah pardon, c'est là.
Il y en a qui vendent des poulets label rouge dans leur congélo. Je vois pas le problème. Ah, parce qu'il est congelé ? Oh là là ! Elle souffle, elle est trop RP ! Non mais ça y est, je souffle là ! La boule rouge. Ah, la boule rouge ! Pardon, j'avais pas compris la blague. Excusez-moi, je n'y étais pas. Wow, monsieur, vous avez dévalisé le magasin, là. Wow, en plus, il a payé comptant. Quelqu'un de bien, lui. Hein. Hop. Hop. Oh, putain, ça fait déjà 2h15 que je joue à ça. Mais attendez, mais le temps n'est pas passé. Enfin. Mais c'est un gouffre, ce jeu. Putain, mais il y a du monde hein, qui vient là. Comment ça fait déjà 2h15 hein? Est-ce que vous pensez que dans une future mise à jour, je pourrais partir en courant avec la carte bleue de mon client? Ou pas du tout? 2h40. Hier, j'ai joué non-stop toute la journée. Hop, rêve pas trop non plus. Je peux même plus partir en courant avec Zinzine celle-là. du comté. Eh, je vous jure que le mec qui m'appelle avec sa sonnette là, ça va me donner de l'urticaire à force. Hop. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Tu vas aider les voleurs à voler ton magasin, toi, bien sûr. Ah, pardon, c'était par carte. Ok. Ensuite, les pâtes. Putain, mais ils achètent pas de pâtes. Là, c'est des fromages. Là, c'est l'eau. Attends, l'eau, il faut en ranger. Ah, c'est par carte, monsieur. Pardon, excusez-moi. Hop. Ok, par carte. Eh, hey, mais c'est limite aussi épuisant qu'en vrai, hein. Je suis d'accord, hein. Franchement, là, je me sens overbookée, quoi. J'ai plus de thé. J'ai plus de farine, hein. C'est quoi, ça? J'ai plus rien là, regardez-les là. Regardez-les là, toutes les mégères du village qui sont venues dans mon magasin à 18h30 après avoir récupéré les gosses à l'école. Hein. Hop. Hein. Attends, il faut lui rendre combien là? T'as plus de farine. Non, la farine, non, c'était le sucre, j'ai dit. Ouais, je sais pas, je me suis trompée. Merci madame pour la carte bleue. Ils connaissent pas le sans contact dans ce jeu là. Merci beaucoup créature pour le follow. Attends, j'allume la lumière. Hop. T'as encore un max de farine. Mais c'est quoi que j'ai voulu vous dire à part... Pourquoi je vous ai dit ça? C'était pas la farine que je voulais dire. Je voulais dire quoi à la place? Le sucre? Ah, c'était peut-être le sucre que j'ai vidé. Que j'ai visé. Oh là là, je vais pas y arriver. Oh, ils m'ont dévalisé mon magasin. Eh, mais attendez, j'ai 1000 balles aujourd'hui. Hein. Mais j'ai évolué tel un léviator, là. Hein. Oh, lui, là, avec la calvasse, je suis sûre, il...
Mais tu fais quoi? Tu prends du sucre et du fromage, mais tu vas faire quoi avec ça? Eh, je suis sûre, là, les gens qui passent acheter des trucs, là, qui ressortent avec du sucre et du fromage, c'est ceux qui vont faire des crash tests de recettes sur TikTok. C'est sûr et certain. Ils sont du style à mettre du coca dans tout ce qu'ils vont cuisiner. C'est sûr, hein. Ça se voit. J'ai même pas tout ce qu'ils ont pris. Un caramel au comté. Regarde, elle a pris 2 bouteilles d'huile. Qui consomme 2 bouteilles d'huile, madame, hein? Tu fais quoi? Tu la bois, l'huile, hein? Ah, après, moi, je cuisine pas à l'huile. C'est peut-être pour ça aussi. Je cuisine pas à l'huile. Coucou, Street 10. C'est peut-être pour ça que je vois pas l'intérêt d'acheter autant de bouteilles d'huile. Attends, peut-être qu'elle veut remplir sa friteuse. Ah, j'ai pas de friteuse non plus. C'est ça, en fait. Je pense que j'ai pas l'utilité que les autres ont. Hop. Le fromage. Je crois que la journée est finie, là. Hein. Attends. Parce que là, on va faire les comptes. Comment tu fais des frites, alors? J'ai un air fryer. genre, tu mets tes patates dedans. Ou tes frites surgelées, peu importe. Hein. Nous, très généralement, on fait des frites maison parce qu'on trouve ça meilleur, tu vois. Et du coup, bah, tu mets genre juste une cuillère d'huile ou pas du tout, finalement. Attends, il nous faut du sucre, hein, du thé. Sucre, thé. Attends. Thé. Sucre, hein. J'ai la même chose, c'est génial et pas gras du tout au final, hein. Exactement. Franchement, mon air fryer, je fais tout avec. Je fais genre pareil, tout ce qui est les nuggets, les cordons bleus aussi. Je fais masse truc avec. Il me faudrait du pain de mie et du narvalo. Pain de mie, narvalo. Des choux crapiques, hein. Et il consomme, hein. Du sucre, hein. Et de l'huile, non? Coucou, madame Charlize, comment ça va? Et je pense, hein, que là, il faut qu'on agrandisse le magasin, là, tu vois. Hop. Oh! Merde! Ah, j'ai remboursé mon prêt. Bon, je suis devenue pauvre, mais j'ai remboursé mon prêt. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout. Je voulais acheter ça de base. Attends, mais du coup, ça a grandi comment? Ah ouais. C'est pas ouf, hein. Eh, c'est pas folichon l'agrandissement, hein, quand même, hein. Un peu radin, hein, le menuisier, hein. Hop. Là, j'ai payé ça une fortune, hein. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais avec le sucre? Ça rentre ou pas? Oh oui! Oh. Putain, il fait vide le magasin, non? Franchement, tu rentres dans le magasin, là? Un magasin, t'as peur quand même, hein? Ah ouais, hein? Il manque des lumières. Écoute, c'est pas Versailles ici, hein? Si tu veux de la lumière, tu vas visiter le château. Ici, EDF, c'est cher, d'accord? Bah écoutez, là c'est bien, non? Allez, vas-y. Eh, je suis toujours en bénéfice alors que j'ai remboursé mon crédit
Et en plus, j'ai agrandi le supermarché, hein. C'est pas mal, hein. Comment ça va, Aligelle, hein? Comment vas-tu? Hop, hein. On commande tous nos produits. Oh putain, comment... Merci Méline pour le follow. Le but, c'est d'agrandir ton magasin, Charlize. Oups. J'ai plus d'argent. Quelqu'un veut bien me faire un prêt? Bonjour. Je m'appelle Fluffy. J'ai pas d'argent. Coucou Gabriel, comment vas-tu? Oups. Mince alors. Hop. Ensuite, du susu, parce que toujours plus de susu, hein. Allez, petit susu ici. Il faudrait que tu achètes d'autres étagères, hein, avant de prendre de nouvelles licences. Bah non, là, il me faudrait un peu plus de produits, non? Parce que là, à part du sucre, du thé et du pain de mie, c'est pas terrible quand même, hein. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être des fruits et des légumes, non? Je sais pas. Ils consomment pas ça, les Américains, des fruits, des légumes, de la viande? Genre, je sais pas, des trucs consommables. Une belle côte de bœuf, tu vois. J'aime pas ça, mais ça n'empêche que quand même. Mais t'as acheté combien de sucre? Bah ça se vend bien. Mais non, mais t'inquiète. C'est rien. C'est une illusion d'optique. Oh. Vous êtes jamais contents. Les fruits et légumes, c'est pas dans leur vocabulaire aux Américains. Et c'est vrai que n'empêche, maintenant que tu le dis, toutes les personnes qui ont déjà été aux États-Unis m'ont dit que manger sain aux États-Unis, c'était limite impossible. C'était limite impossible. Même l'eau, c'est genre super cher. Hop, re tout le monde. Narvalo, il y a trop de narvalo, hein. Ça, c'est quoi? Putain, c'est encore narvalo. Oh, j'ai fait un stock de narvalo, hein. Hop. Allez, c'est parti, on y va. Ah. Oh! Attendez. Il n'y aurait pas une petite musique qui va super bien avec ce qu'on est en train de faire, là? Attends. Oh. Attends. Hop. C'est bien, là, on l'entend bien, non? C'est pas mal, hein? J'ai mis de la musique. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne m'en fais pas. Ah c'est bon, ils arrivent. Bonjour, bienvenue. C'est quand même plus sympa, non? Les alertes, il faut à chaque fois que je les décoche et que je les recoche, c'est chiant. Y a pas de souci, Gabriel, hein. La musique est bien, elle est pas trop forte. Rapproche peut-être la caisse, hein. Non. Ils vont marcher? Non mais oh. Pardon, j'ai donné une pièce en trop. Voilà.
C'est horrible en vrai, non? J'ai une vue globale sur le rayon. Personne ne peut me voler comme ça, tu vois. Oh là là, monsieur. Par contre, passer toute une journée avec cette musique, c'est un calvaire. Bah après, ça dépend pour qui, hein. Tu crois que passer la journée avec cette musique-là, c'est mieux, hein? Moi, je suis pas sûre, hein. Voix 1, le TGV numéro 3635 à destination de Paris-Montparnasse va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Ah, elle a pas parlé de la bordure du quai, c'est dommage. D'habitude, ils te disent toujours « Faites attention à la bordure du quai. » Pourquoi t'as une annonce de train? T'inquiète, c'est rien, c'est comme ça. Hé, hey, ils se sont tous vengés sur mes pattes, là! Attends! Hop! Dites-vous qu'à l'époque, je prenais tellement le métro parisien que je connaissais l'annonce par cœur. Mais dans les autres langues, please mind the guard on the nana. Nanananananana. Je sais plus ce qu'il racontait là. Je le connaissais par cœur le truc. Hop. Tiens. 17,30€. Ouais, allez, j'ai le temps. De l'huile! Bon, on fera les stocks plus tard, hein. Merci! 21,30€! Encore! Hein. Tout, 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 tout. Tu veux pas sprint? Mais en fait, la touche, elle est trop loin, Tiga! Comment tu fais pour sprint? T'es trop loin! Et Lénouche qui nous fait péter le T2. Merci beaucoup. Merci madame. Merci Diana pour le follow. Ah, pas besoin de monnaie. Loki, t'aimes pas hein, ma musique? C'est la musique du magasin. Diana, soigne ton addiction avec ce jeu. Elle est accro? Il y a des accros? Tu fais une entrée comme ça, sérieux? Mais pourquoi vous... Mais laissez Diana, elle vient d'arriver! Elle vient d'arriver, vous l'agressez tous! Elle a envie de jouer, laissez-la la pauvre! Tiens. J'ai envie de die, change! Vous aimez pas la musique, vous voulez que je change? J'ai d'autres choses dans mon répertoire, si vous voulez, hein. Mais attendez, parce que là, je peux pas prendre de pause. Hop, hein. C'est ma modo, je peux te dire qu'elle est accro. Ah! Tu es déjà fichée, Diana! Bah écoute, bonne chance. Hop. J'ai d'autres choses, si vous voulez, dans mon répertoire, hein. Mais je pense pas que vous allez kiffer, hein. Vous allez potentiellement me dire de remettre Animal Crossing, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Allez. J'ai le pire répertoire musical actuellement à vous offrir. Je vais pleurer. Après, on est dans un magasin. Non mais on est dans un magasin, c'est adéquat, non? Je crois qu'il passe au moins 5 ou 6 fois à la journée sur les chaînes de radio. Rigolez pas.
septième léger. Je me suis bien adaptée. Moi, je trouve que j'étais vraiment parfait, hein, pile dans les dans ce qu'il fallait, hein. Mais c'est qui même? Comment ça, c'est qui? Tiga, tu veux te battre? Tiga, tu veux qu'on règle des comptes? Comment ça, c'est qui? Arrête, je saute. Attends, j'arrive même pas à récupérer la carte bleue. Tellement je rigole. Attends, je change ça à la fin de la journée. On va faire une journée, une musique. D'accord? Ah, lui, ça se voit, lui, il a du taf ce soir. Il est passé, il a acheté son café. C'est bon? Ok, une journée, une musique. Elle a même pas de TTS, c'est trop grave. Bah, je l'avais à l'époque. Ah, je sais pourquoi, madame. En fait, je passe par le truc d'alerte de Twitch maintenant et du coup, je l'ai enlevé. Hé, le magasin est fermé! Mais il y a un train, j'avais même pas vu. Arrêtez, j'ai mal à la gorge. Je vais mourir. Hop, hein. Attends, toi, je devrais te faire payer des honoraires de nuit. Il est venu en retard, hein. Ok, attends. Stop, on arrête tout. On trouve une autre musique. J'en peux plus, par contre. Elle m'a rendu zinzin, là. Ça fait 10 minutes, elle tourne en boucle. C'est déjà trop. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, hein? Oh, j'ai pire. Oh, j'ai pire. Ça fait très musique de boutique, non? J'ai pas la ref. Comment ça, t'as pas la ref? Animal Crossing, Amiibo Festival, je crois. Ah, c'est fini. Attendez, je range Narvalo. Hop. Hop. Ah ouais, le Animal Crossing nul. Oh, 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 oh. Ça va, oui. Ah, mais il m'en reste un de café, je sais pas où le mettre, hein. Bon, on va devoir faire les comptes de la fin de journée. Mes chers compatriotes. Il nous faut du thé. Du thé. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre, hein? Des pâtes? Ah ouais, ils m'ont dévalisé les pâtes, c'est vrai ça. Du thé et des pâtes, hein, c'est tout, hein. Hop. Du thé, des pâtes. Oula, pourquoi j'en ai acheté 4? Des pâtes et du thé. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont fermés. Des œufs. Des œufs, j'en ai encore un peu. Du sucre, eh, ça y est, du sucre. Limite, je vais me reconvertir en... Hey. J'avais un client qui disait qu'il avait pas trouvé les pâtes. Oui, bah ça va. On fait ce qu'on peut, hein. Ah, les Chocipic ont augmenté. Putain, ils ont bien augmenté, hein. À 8,10€ le paquet de Chocapic quand même, hein. Et l'eau, elle a baissé. Ouais, bah on est aligné au prix de l'eau, hein, finalement, hein. Hop. Allez, hop là. Oh, continuez, continuez, continuez là. Regardez, pour une fois qu'ils ont bien rangé mes colis. Je vous jure que je vais finir mon live complètement sans voix. Il ne restera plus rien de moi à la fin de ce stream, hein.
Coucou Moana, le but de ce jeu, c'est de devenir Carrefour Express. Voilà. Le but de ce jeu, c'est d'avoir une boutique plus grande que celle de l'Okinawa. Voilà, c'est une compétition. Je le dis dès maintenant. Hop. Oula, 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 oula. Hop. Est-ce que je peux allumer la lumière dès maintenant? Comme ça, tout à l'heure, j'aurais pas besoin d'allumer la lumière. Hop. On n'a pas payé les factures, on paye les factures et c'est parti. Bonjour. C'est quand même triste un magasin sans musique, hein. On n'aurait pas une petite musique quand même, parce que là... Bah, quand même, hein. Genre, je sais pas... Oh oui. Oh, j'ai trouvé la musique la plus agaçante. Allez, comme ça, tout le monde l'a en tête ce soir. Eh, ce soir, tout le monde l'a en tête. Vous allez tous chanter, rêver Pokémon. Mais pourquoi tu nous punis comme ça? Je ne vous punis pas. Vous connaissez pas cet opus Pokémon? Non, faites un effort, s'il vous plaît. Hop. 10 centimes, madame, tiens. C'est la musique de la route 1 dans Pokémon, hein. Vous connaissez pas? Vous avez loupé un truc, hein, quand même, hein. Bonjour, monsieur, avec des lunettes, hein. Bah, c'est bon, tu la prends, ton... Ah, c'est bon. Attendez, j'ai peut-être autre chose dans mon répertoire, hein. Mais on me laisse pas beaucoup de champ de temps pour changer la musique, hein. Hop. Hein. Excusez-moi, je mets un peu d'ambiance. J'arrive tout de suite, hein. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre, hein. C'est bien, ça aussi. La réelle question que je me pose, c'est qu'est-ce que je fais avec tout ça sur mon PC? En vrai de vrai. C'est la question première que je me pose actuellement. Qu'est-ce que je fais avec tout ça sur mon PC? Genre, ça sort d'où? Hop. Ouah, les maxi-courses, hein. Monsieur, vous vous êtes fait plaisir, hein. Hop, 1, 2, 3, 60, hein. Hop, hein. Tu vas tester Fortnite la nouvelle saison? Pas du tout, pour être honnête avec toi. Qui c'est qui joue à Fortnite? Ici. Je t'avoue que je suis pas très Fortnite, en étant tout à fait honnête avec toi. Mais voilà, hein. Tiga, tu joues à Fortnite? Aquapilou, tu joues à Fortnite? Alicia, tu joues à Fortnite? Lady, tu joues à Fortnite? Je vois des noms passés, jamais je vous aurais vu sur Fortnite. Je vous juge. Mais non, je joue pas à Fortnite. Après, moi, j'avoue mes péchés, j'ai joué à Apex. C'est pareil que Fortnite.
En ce moment, je joue à TFT. C'est quoi? Tactical Foot... Merde, c'est quoi déjà le nom du jeu? Tactical... Si tu savais le nombre d'heures que j'ai sur le jeu à ce point-là. Merci beaucoup Baptiste pour le follow. Ah. 33 euros. Vas-y, devine. Je sais pas, t'as genre 500 heures de Fortnite. Un truc du style. Allez, 36,30€. €33,90. Teamfight Tactics. Ouais, voilà. Bon, j'y arrivais pas avec le nom, mais j'y étais presque hein, quand même. Hein. €12,50. €500 × 8. Quoi? Mais non. Mais c'est pas possible. Mais non. Mais non. Mais tu rigoles. Bah c'est de 2016 Fortnite. Ouais, mais quand même hein. Ah, bonjour, votre monnaie madame. C'est dommage qu'il puisse pas rendre la différence. Genre je lui donne 5 euros, elle me donne 10 centimes, tu vois. J'avoue que... Ouah, mais il y a du monde, eh oh, ça va pas. Eh, on... Oh là là. Eh, attendez les amis, on est un peu lent en tant que caissière. Hein. Mais en même temps, ils font des courses juste pour 2 bouteilles de lait, quoi. Lui, je crois qu'il allait faire un pain perdu, c'est sûr et certain. Voilà. T'as combien d'heures d'ACNH en 4 ans? J'en ai pas tant que ça, hein. J'en ai 5000 ou un truc du style. Ah, Princess Peach est téléchargé. Il vient d'être fini. Mais il est sorti en 2020 à CNH. Hein. Ah ouais, putain, j'ai plus d'heures de jeu que Tiga, alors qu'il a moins longtemps. Ok, je m'incline. Hein. C'est moi le problème, finalement. Attends, mais qu'est-ce que je fais, là? Ouah, j'étais prête à lui donner 20 dollars, hein. J'allais lui rendre 20 dollars sur des courses qui en ont coûté 5, hein. Ah, pas du tout, madame, hein. Hop, hein. Ah, lui, c'est une carte bleue. Voilà. Limite, c'est toi qui la remercie d'être passée dans le magasin. Oh, mais mon magasin, il est décimé, là. Attends, mais il y a un problème, hein. Attends, mais il y a un problème, là, hein. Mais ça va pas, hein. T'as rendu 18 alors que c'était 1,80€. Non. C'est pas grave. Ce sont des erreurs qui arrivent, hein. C'est... Tout est une question de... Voilà. Attends 2 secondes. Au niveau des licences, hein. On peut acheter la licence pour avoir du soda, du jus d'orange. Hein. Oh non. L'us-tu pas cru? La baleine. Je vais mourir.
Cola, Biojuice. Heureusement que c'est toi la patronne, car si tu fais ça comme employé, t'es viré. C'est pas grave. Oh non, Pépite. On prend quoi comme licence, hein? Moi, je pense qu'ils ont une tête. Ils ont une tête à consommer du jus. Vous en pensez quoi? Ils ont une tête à être giga consommateurs de jus. Tu penses pas? Moi, je pense que le soda, ça peut rapporter. Hop, hein. On va se racheter une petite étagère aussi. Oh là là, attends, il faut faire un plein, là. Ah, le soda, c'est frigo? C'est vrai? Ok. Ensuite, on va prendre, du coup, jus d'orange, coca, Schweppes, truc bidule. Ok, c'est bon. Oh putain, mais ça coûte cher! Mais j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, je suis ruinée! Les amis, je suis ruinée! Il faut qu'on fasse des choix. D'accord, hein? Il va nous falloir du fromage, des pâtes, du sucre, hein, de l'huile, du pain de mie, des œufs, des choquipiques, hein, du lait, encore des pâtes. Ah, on peut pas acheter plus, hein. Bonjour. Vous voulez acheter quelque chose? Excusez-moi, j'ai une cliente IRL, hein. Tu veux acheter quelque chose? Tu veux des fleurs? Ça. Voilà. Donne-moi de l'argent en échange. Merci. Au revoir. Elle est partie avec les fleurs. En guise de paiement, elle m'a donné son doudou et sa tétine. Et ça fait remarche. Je vais mourir. Attends. Ah, mais j'ai plus d'argent là. Attends, mais... Oh. Ok. Vous n'êtes pas satisfaite de cet échange? Vous voulez récupérer votre paiement? Ça. Ça sent bon? Ah, bah ça tombe bien, c'est des fausses fleurs, hein. Au secours. Il est où mon frigo? Attends, il est où mon frigo? Il est là mon frigo. Elle dort ta sœur? Allez, Coco là. Faudrait peut-être que j'aille jouer à Princess Peach, je pense. Accessoirement. Elle dort, hein. Ça fait un moment qu'elle dort, non? Elles sont jolies les fleurs. Tu me les rendras quand même à la fin du stream, hein. Elles sont douces, hein. Ah. Oui.
Pareil, les fleurs sentent bon alors qu'elles sont en plastique. Le Coca-Cola, il s'appelle Cola. Elles sont en plastique, elles sont pas magiques, hein. C'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Oui. Oh, ce magasin, il est mal rangé. Je sais pas qui c'est qui a rangé ce magasin, mais c'est terrible, hein. Ah, du jus d'orange. Hein. Ah, bio le jus d'orange, hein. Bio, hein. Le pain de mie s'appelle Ron's comme... Bah oui, Harry's. Genre Harry Potter, bref. Vous avez pas la référence ? C'est dommage. Si vous avez pas vu Harry Potter, quand même, vous avez loupé quelque chose, hein. Hop. Il n'est plus trop d'actualité aujourd'hui, mais c'était quelque chose à l'époque. On va mettre les packs de lait. Ils doivent être placés dans un shelf. Ok. Bah, go, hein. Ah, attends, c'est une référence à... Bah non, Harry Styles, c'est pas une... Attends, quoi? Mais non. Ron's Harry's, c'est pas une référence à Harry Styles. Harry's, le pain de mie, ils l'ont renommé Ron's. Ron, c'est dans Harry Potter. Attends, on n'a pas la même ref, là, hein. Attends, quoi? J'ai pas compris, là. On n'a pas les mêmes refs, les amis. Tu l'as fait bugger. Mais oui que tu m'as fait bugger. Je pense que c'est toi qui as la bonne ref. Bah oui, c'est ça la bonne ref. Harry's, Ron. Bah oui. Bah il est perdu, hein. Ça va pas, hein. Allez, dernière journée avant Princess Bridge, hein. De toute façon, vous m'avez dit que la démo, elle dure 10 minutes. Hein. Allez, j'abuse un peu. Elle dure une demi-heure. Les prix, merde! Oula. Il est pas cher le Coca-Cola, hein. Le Coca-Cola, il est moins cher que les pâtes, hein. Faut doser, hein. Non, je suis pas là. Oh. Deux secondes. Oh là là. Il est vraiment axé enfant Peach, je trouve, hein. J'ai pas testé, je teste juste après. Je fais une petite dernière journée là. Par contre, votre jeu, il m'a donné mal à la tête, hein. Oh, merci mon amour pour les fleurs, hein. Maman. Oui. Attends, je vais mettre les fleurs sur l'endroit où il y a ta tête, on sait jamais. Oui. Oui, tu peux prendre le coussin fleurs si tu veux. Elle va me voler tout mon décor en fait. Il est tout doux. J'ai bien fait de mettre le truc là. Oui. Je sais qu'il est tout doux, mon amour. Regarde, lui, il a pris deux packs de lait, là. Ça se voit, il a des gosses, lui. Hein ? Tu rejoueras au jeu ou pas ? Et il m'a fait mal à la tête, votre jeu. Hein. Il m'a fait mal à la tête. Il m'a fait giga mal à la tête, votre jeu. Comptez la monnaie et tout, là. Ça y est, moi j'y arrive plus là.
Eh, ça remonte bien là mes finances, hein. Une petite note sur 10. Ah, je dirais qu'il manque quand même des fonctionnalités, hein. Après, on m'a dit qu'il va y avoir des mises à jour avec des voleurs, etc. Yes. Putain, les packs de lait, ils sont partis en 2-2. Je mettrai 7,5 sur 10. Oula, j'ai essayé de vous demander beaucoup d'argent, vous. Hein. Je mettrai 7,5 sur 10. Coucou, farce. Ouais, mais après, tu ne seras plus caissière quand tu auras un emploi. Mais regarde-le, lui, il a pris 3 packs de lait, là. Lui, c'est sûr et certain, c'est quelqu'un qui met le lait avant les céréales, hein. Ça se voit, c'est quelqu'un de ma team, lui. Il a pris les 2 packs de lait qui restaient. Non, après. Ouais, avant, après, c'est pareil. Ah, lui s'est pris un petit Coca-Cola et puis il s'est pris 2 jus d'orange histoire d'avoir bonne conscience, tu sais. Hop. Hop là. C'est quand qu'on aura des fruits et des légumes là, parce que c'est terrible, hein. Ce genre de débat, sérieux. Parce que ça a choqué tout le monde en fait, si tu veux l'anecdote Généris. Ça a choqué tout le monde parce qu'en fait je suis de la team... qui met les céréales après le lait. Et du coup, je crois que ça a perturbé littéralement tout le chat. Hein. Du coup, c'est assez drôle. Ah, le soda est trop cher pour lui. T'inquiète, je mets les céréales après le lait aussi. Mais franchement, je suis désolée, mais... Mais oui. Et tout le monde était outré de ça, alors que, bah non, j'ai la bonne façon de faire. Oh là. Ah ah. Merci. Je sais pas ce qu'elle m'a dit, mais d'accord. Hein. Hop. Pas très longtemps. Je vais passer sur Princess Peach, en fait, Emily. Ouais, non, mais ils m'ont dévalisé encore le lait et tout, là. C'est une dinguerie, hein. Je crois que mon soda, il est trop cher. Je sais pas, il a du mal à partir. Hein. Ah, il m'a donné le contron. Aujourd'hui, je vais fermer plus tôt, madame. Hein. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Attendez, je vais peut-être fermer plus tôt. Si je ferme, ça vire mes clients actuels ou pas? Non. C'est bien fait, hein. Je vous jure, ça m'a donné mal à la tête, premier degré, ce jeu. Ouh. Elle n'a pas trouvé de lait pack de 6. Oui, bah ça va, je me suis fait dévaliser. Oh la vache. Réponse universelle. Hein. Tu te laves les mains après avoir été aux toilettes. Tu fais la vaisselle après avoir mangé. Donc tu mets le lait après tes céréales. Maman. Bah non, moi je fais l'inverse. Maman. Oui. Non, je te donne pas ça, mon minou. Ouh, eh ben, le bénéfice était bon aujourd'hui, hein. Ça m'a donné mal à la tête, cette affaire. Bon, c'était une très sympathique découverte, un peu répétitif à mon goût. Waouh. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de contenu. Je pense qu'à la fin, tu peux avoir un très très gros magasin. Faudrait voir les mises à jour, en vrai. Oui. Je sais pas si vous avez compris ce qu'elle a dit, mais... Donne-moi la feuille, je veux dessiner avec les crayons.
À chaque fois, je lui donne mes feuilles de... Des feuilles de dédicace. Tiens. Merci, madame. De rien, madame. Hein. Ça fera 10 euros la feuille, par contre. Hein. On sauvegarde ? Allez, petite sauvegarde. Hein. Bon, on va aller se tester Princesse Peach. Hein. Oui ? Comment elle me balance ces trucs hein. On va faire la démo ? On va voir si ça casse trois pattes à un canard ou si ça casse pas trois pattes à un canard ? Ouais. Si c'est nul, ça nous enlèvera un jeu à faire pour la semaine prochaine. Hein. Lana ? Est-ce que tu peux résoudre un débat pour nous, s'il te plaît ? Ouais. Tu mets le lait avant les céréales ou après les céréales ? Non, avant ou après ? Allez ! Elle a dit avant ! Elle met le lait avant, elle met le lait d'abord et après les céréales. Hein. C'est comme ça qu'on élève ses enfants ! Non mais oh ! On l'a pas entendu. Lana ? Lana, tu peux crier ton choix, s'il te plaît, au monde entier ? Est-ce que tu peux crier que tu mets le lait avant ? Et pas après les céréales, s'il te plaît. Oui. Voilà, oui. Elle a dit oui. C'est tout ce que j'ai à dire, moi, maintenant. Oh, il n'y a pas de son. Ah si, il y a du son. Je me suis mis autant. Ah bah en fait c'est fini l'intro. Ok. Princesse Peach, nous sommes enfin arrivés. Je vais aller chercher des billets, je ne devrais pas en avoir pour trop longtemps. Allez explorer le foyer. Ah c'est comme ça que ça se présente le jeu? Mais c'est quoi ces espèces de merdouilles qui sortent? Lana ! Quoi ? Doucement ! Mais c'est quoi ces trucs ? Les théâtrins ? Ok. On a quoi d'autre comme fonctionnalité ? Genre juste elle court comme ça et... Comment on joue ? Les théâtrins rêvent de jouer dans une pièce. Un jour, ce sera notre tour. Hein. J'ai testé la démo hier, j'ai pas été emballée. Anna, s'il te plaît, retourne voir papa. Attends, mais on joue comment? Et voilà, c'est fini la démo. Non, mais attends, comment on joue vraiment, team premier degré? J'ai mis 20 minutes pour trouver. Non, mais aidez-moi. Non, mais, s'il te plaît. Mets pas de crayon sur la caméra. Vous parlez aux gens. Attends, mais ils sont beaucoup. Vous parlez à tout le monde. Quoi? Mais vous êtes malade, hein? Ah.
Princesse Peach, j'ai les billets. Oh, putain, mais ça, c'est un coup à rester bloqué sur la démo, hein. Ok, vas-y. On y va. Voilà votre billet. Regardez tout ce monde, les billets doivent être remarquables, hein. Ok, vas-y. On dirait que notre pèse va bientôt commencer. Nous ferions bien d'aller nous asseoir, hein. Donc là, en fait, ce que je vais tester, c'est vraiment genre les fonctionnalités de comment se joue le jeu, c'est ça? Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous! Ah oui. Je m'appelle Syra, et avec ma troupe... Ok, donc c'est le début du jeu qu'on est en train de faire. Par contre, pour un jeune enfant, c'est un peu compliqué de ne pas expliquer le passage. Après, ils ont des parents, les enfants, hein. Lana, s'il te plaît, tu peux retourner dans le salon. Lana, tu peux retourner dans le salon, s'il te plaît. Un tout petit peu. Ah, j'ai combien de niveaux à faire? Oh, mais il est trop mémé! Oh non! Tu veux savoir quel est le problème, hein? Des types masqués très bizarres sont en train de mettre notre pièce sans dessus dessous. On ne pourra pas jouer tant qu'ils seront là. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Il y a deux niveaux à faire. Ok. Pardon, tu es simplement venu voir des pièces, mais au final, tu assistes à une catastrophe. Il faut que je rétablisse la situation. Mais je crois que je suis incapable de le faire seule. Je ne veux pas te forcer la main, mais ton aide nous serait inestimable. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Pas sûr, hein. C'est vrai, tu vas nous aider? Oh, merci, j'insiste, c'est vraiment génial que tu acceptes, hein. Je m'appelle Stella, je suis une fée de l'étincelle et je veille sur ce théâtre. Et toi, tu t'appelles Peach, très joli prénom. Grâce à ce pouvoir de l'étincelle, nous allons reprendre le contrôle de la pièce et le spectacle pourra continuer. Il manque des trucs au début, je sais pas. J'ai l'impression d'être lancé dans le truc, mais de pas avoir eu de contexte, hein. C'est bizarre comme sentiment. Les types masqués dont je te parlais étaient dans la pièce de l'épéiste, allons-y. J'ai vraiment eu l'impression de ne pas avoir de contexte qui a été posé. Ou très peu de contexte, hein. Ok. Bizarre. Ils ont plutôt bien résumé en deux niveaux, ça offre un aperçu de toutes les possibilités. Je pense qu'ils voulaient aller voir un spectacle et que la méchante est arrivée, c'est tout. Ok. Le contexte est très vite mis et puis pouf, on va se battre avec le méchant. Ok. Oh non! C'est dark, hein. Changez Mario, hein. Quelqu'un est blessé. Oh my. Ce sont des types masqués qui ont fait ça. Oh oui, j'ai compris. J'ai une idée, nous devrions utiliser le pouvoir de l'étincelle, hein. Ok. C'est original, hein. Et voilà, Peach, tu peux utiliser l'étincelle à travers ce ruban. Vas-y, utilise l'étincelle et sur ce théâtrin pour l'aider. Yes. Yes. Ah, c'est juste j'appuie sur B et c'est tout? Ok. Et après? C'est un des effets de l'étincelle. Elle peut faire le bien des gens et des objets qu'elle touche. Avec ton aide, nous pourrons utiliser l'étincelle pour tout remettre en ordre. Alors, pour être honnête avec vous, je pense que j'ai... Jusque-là, je préfère Mario Wonder quand même, hein. Bien, on dirait que tout est redevenu normal par ici.
Cela dit, on ferait mieux de s'assurer que tout va bien au château. C'est le niveau ? Ils ont débarqué et ils nous ont attaqués. Ah, des corses ! Oh ! Attends, mais les fonctionnalités, elles sont sympas quand même, hein ? D'accord, hein ? Je peux rentrer dans les maisons ? Non ? Oh non ! Par contre, le décor est incroyable, le style est un peu sympathique. T'as l'air d'avoir pas mal d'éléments du décor qui sont cliquables, hein ? Les voilà, on dirait qu'ils font encore du grabuge. Au revoir. Hein. Lala. D'accord. Lana, s'il te plaît, viens pas ici. Okay. Oula, on dirait un peu Smash Bros, hein, en termes de comment tu places au niveau des décors. Attends, comment je chope ça? Par contre, les décors sont vachement bizarres. Il devrait y avoir un raccourci pour aller au château, mais où est passé ce chantier? Je suis perdue, Vilpa, là. Des décors de théâtre. Ouais, c'est pour ça que c'est un peu original. C'est sympathique, en vrai, hein. Mais par contre, c'est giga facile, quoi. Youpi, on peut continuer maintenant. Mais j'ai juste spamé B. C'est une gemme d'étincelle, hein. Attends, quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que ça comme niveau? On peut voir le château d'ici, c'est bien, on s'en approche. Mais pourquoi il y a autant de ronces, hein? Ça lag un peu quand même, hein. J'ai l'impression que une pièce égale un nouveau pouvoir, en fait. Comment j'ai fait ça? Ça lag, non? Ça lag de fou! Non mais c'est pas une blague, ça lag de fou. C'est ma Switch V1, non c'est la V2. Vous voyez ou pas que ça lag, ou alors c'est juste moi qui ai un lag sur OBS? Ah non, ça c'est les trucs du niveau. Ok. Waouh. Par contre c'est... ça lag de fou chez moi. Ça lag pas? Ça doit être OBS qui fait laguer le jeu alors. Elle bloque le sentier. Attends, quoi? Oh là, mais attendez, mais j'ai bientôt plus de vie, mais qu'est-ce que j'ai fait? Un peu de chute de framerate même sur la OLED, mais la OLED a limité les cinématiques. Je suis nulle. Mais c'est terrible d'être aussi nulle. Mmh.
J'ai le droit de donner mon avis. J'ai le droit de donner mon avis ou pas? Je m'attendais pas à ça. Si tu trouves ça nul, personne t'en voudra. Ouais, franchement, je suis pas. Hyper emballée. J'étais hyper emballée lors des directs et tout, mais là j'avoue que là comme ça j'ai en toute honnêteté j'ai préféré Mario Wonder hein. Après c'est pas comparable je pense aussi hein. Et puis avec l'espèce de vision, j'arrive pas à calculer la grandeur de ce que j'ai en fait. Hein. Après, t'es au tout début, tu penses que c'est ça? Attendez, je continue de jouer un peu. On sait jamais. C'est en fait, en soi, les points positifs, c'est que c'est joli, les musiques sont sympas. C'est fini ? J'ai fini le niveau ? Madame, par contre, dis donc. En fait, c'est ça, ouais. Un niveau égale un pouvoir. Là, c'était la salle de l'épéiste. Du coup, je suis devenue l'épéiste. Ah. C'est hyper facile. Hein. Coucou, Kayoupi. Non, franchement, je suis désolée, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. En fait, c'est juste... Je sais pas comment expliquer, mais... Je m'attendais pas à ça, en fait. Les décors sont beaux, les musiques sont belles. Les pouvoirs ont l'air sympas, mais en fait, en soi, le jeu, c'est juste t'avances tout droit et tu spammes le bouton B, en fait. C'est juste ça, en fait. Je suis un peu déçue. Sandan, merci pour le follow. Là, je suis un peu... Ouais, non, vraiment, c'est juste ça, quoi. Il y a des petits mini-jeux à certains endroits. Ah, quand même. Pour moi, c'est comme Mario, c'était sympa quand j'étais plus petite. C'est quoi ce jeu? C'est la démo de Princess Peach Showtime qui est censée sortir la semaine pro. Je suis un peu déçue. Je m'attendais pas à ça.
Je m'attendais grave à un espèce de Mario Wonder, enfin une difficulté un petit peu au-dessus, quoi, on va dire. C'est vrai que là, c'est vraiment... Bon. Hein ? Non mais en soi, c'est un bon test, hein. Mais je pense que je suis pas le public. Je pense que je suis pas le public visé en fait par le jeu. Je pense que je suis pas le public par le public ciblé en fait. Je pense que c'est un peu plus pour les petites filles, tu vois, pour qu'elles se sentent un peu en mode, ouais, comme tu dis, genre girl power et tout. Vraiment pour les plus petites filles, mais c'est pas... Je pense que je suis pas le public, hein. La difficulté, elle est pas du tout présente. Après, c'est peut-être parce que c'est les premiers niveaux. Mais... C'est vrai que c'est pas rassurant, quoi. En fait, c'est juste un t'avances et tu spam B, quoi. Ah, c'est pas la bonne technique. Mais le jeu, il l'a battu pour moi tout seul, j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait! J'ai juste avancé et elle a sauté toute seule! Hein. Mais là aussi, j'ai rien fait! Elle a fait tout! Mais tu avances et elle fait les moves de dingue toute seule! Hein. La facilité, c'est... C'est pas possible, le jeu il est en auto. Attends, j'ai plus qu'un cœur quand même dans cette histoire. Hein. On va se calmer, hein. Wow, 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 wow. Ouais, non, je suis pas fan. Non, j'avoue, je suis un peu déçue. Je sais pas. Je sais pas comment dire. Oh, allez-vous-en! Par contre, la Peach, elle déboîte du poney, hein. Voilà le roi. Par contre, tu vois, les décors sont magnifiques. Les décors sont magnifiques, certains trucs sont magnifiques, hein. Mais... Le jeu fait tout seul. Hein. Je ne fais que spam le bouton B. Hein. Je vous jure, le jeu fait tout seul. Juste, je spam le bouton B et j'avance.
Bon, en vrai, si je devais dire, hein, je pense que je suis pas le public ciblé par le jeu. Les points positifs, c'est clairement les musiques avec les petites fonctionnalités, avec les décors qui sont vraiment magnifiques. Hein. Mais je pense que, ouais, l'idée était géniale, mais par contre, je pense qu'à la longue, ça doit être très répétitif. Et vu que c'est très facile, bah, je pense pas que tu passes un... En tout cas, moi, pour ma part, je pense pas passer un bon moment sur le jeu, tu vois. C'est très, très... Autant, franchement, j'ai aucun problème avec les jeux qui sont faciles et tout. Mais là, en fait, c'est vraiment genre juste j'avance. Je ne fais que spammer le bouton B en avançant. Et en fait, le jeu fait tout pour moi. Et j'avoue que c'est un peu... ça m'emballe pas trop, quoi. Ça m'emballe pas trop, on va dire, hein. On a réussi ensemble, on peut utiliser le pouvoir de l'étincelle. Hein. Mais par contre, c'est Mimi, tu vois, genre les personnages sont Mimi, les décors sont Mimi, les musiques sont sympas. Il y a quand même un fond, mais peut-être pas assez abouti, tu vois. Je pense qu'en vrai, pour moi, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça, il y avait du potentiel, mais pas assez creusé, je pense. Là, on a l'air d'avoir accès à 1, 2... 3, 4 niveaux pour la première salle. Ah non, ça c'est la scène, hein. Let's go. Ah non, mais ça c'est le deuxième niveau, merde. Non, je veux pas faire le deuxième niveau. J'ai pas envie. Je veux m'en aller, ça m'a saoulé. Non, ouais, je suis désolée, mais j'ai pas trop aimé. Franchement, j'ai pas trop aimé. J'ai même pas envie de faire le deuxième niveau, je vous avoue. J'ai pas trop kiffé. Désolée. Je préfère le dire. Je préfère le dire, mais c'est vrai que pour ma part, j'ai pas trop kiffé. Autant je suis globalement assez enjouée et tout pour les jeux, pour voilà, pour. Mais c'est vrai que il est. Non, franchement, je suis désolée, le jeu n'est pas pour moi. On aime ta transparence. J'ai vraiment pas kiffé. Non, ouais, j'ai vraiment pas kiffé. J'aime pas. C'était pas ouf, quoi. Ouais, c'est ça, je suis pas fan. Après, les goûts et les couleurs, hein, chacun ses avis. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Mais je préfère le dire, tu vois, quand j'ai pas aimé un truc, parce que, bah... Je vais pas dire, waouh, trop bien, c'est ouf. Au final, tout le monde va acheter, enfin, il t'en a plein qui vont acheter, qui vont se dire, ah, bah, voilà, je vais essayer, peut-être que je vais aimer et tout, mais non, franchement, c'est pas incroyable. Non, c'est pas incroyable. Bon les amis, je vais vous laisser là. Je vais aller reposer ma voix. Parce que là je sens que je tire dessus et que ça devient assez compliqué. Demain je suis en off, ça tombe bien. Parce que là je pense que vous l'entendez un peu. La voix tire un peu là. Voilà pourquoi tous les jeux devraient avoir une démo. Franchement je pense que ouais. Mais je pense que pour certains jeux ce serait se tirer une balle dans le pied d'avoir une démo. Notamment c'est ce qui vient de se passer là pour le coup. Parce que je ne vais pas l'acheter. Pardon. Je suis désolée. Mais ouais, du coup, je pense qu'il aurait mieux valu ne pas faire de démo. Pour leurs finances. J'ai pas trop aimé. Mais je préfère être franche et vous dire que vraiment, j'ai pas... Ouais, c'est pas... Pas trop mon kiff, quoi, on va dire, ce qui s'est passé avec le jeu, quoi. Je vous fais des gros bisous tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ça se sent. Ça se sent, là, je commence à tirer pas mal. Hein. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi. Vous avez le planning qui est disponible sur tous les réseaux sociaux. Et let's go, quoi, finalement. Des bisous tout le monde, passez une bonne fin d'après-midi. Bisous, bisous. Oh, ça se sent, j'ai plus de voix. Ça commence à se sentir. Bisous tout le monde.